Grosso modo, on avait été appelé parce qu'on avait retrouvé la fourgonnette California L4 qui apparemment avait servi lors de l'attaque du bâtiment du Ku Klux Klan. D'accord. La fourgonnette à California L4 était dans un endroit qui est plus connu sous le nom de, si je me trompe pas, de je sais plus où, mais grosso modo, un endroit de merde. Merci. Norwalk, ça y est, C'est ça, Norwalk. Norwalk, la zone industrielle à moitié abandonnée et complètement polluée. Voilà, c'est ça. Donc, Lol. Norwalk, c'est un endroit très sympa où t'as des meutes de chiens errants qui peuvent t'attaquer et te bouffer à mort. C'est un truc très sympa, quoi. Le genre de truc où tu passes en vacances avec ta famille, Ouais, c'est c'est très très... tendance. C'est clair. Il paraît qu'il y a des safaris qui sont organisés dans le quartier. Voilà. D'accord. Donc grosso modo, on a trouvé la camionnette, on a vu qu'elle était piégée aussi, mais bon, avec toujours vieux matériaux, etc. L'équipe de déminage l'a déminé, que veut dire. Dans la fourgonnette, pardon, on a trouvé un brouilleur électronique, on a trouvé des empreintes sur le volant, on a trouvé des explosifs inutilisés qui ont été validés comme étant bien de vieux explosifs militaires, des munitions. Et un plan de coupe en blueprint d'un bâtiment, mais on ne sait pas lequel parce que le cartouche a été arraché. Et on sait que c'est la baraque où a été fait le vol, hein. Mais on ne sait pas d'où vient le blueprint. Ouais, on ne sait pas d'où vient le blueprint, mais bon, apparemment, c'est bien le bâtiment du Ku Klux Klan. Par contre, avec D'accord. la plaque d'immatriculation, on a Moi, j'ai le découvert truc que d'aller. le propriétaire de la bagnole, monsieur José Renard, il n'avait pas signalé comme étant disparu. On a aussi trouvé du matos militaire et du tout ce qu'il fallait pour faire des effractions dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a vu que les empreintes, a priori, il y avait un rapport avec Thomas Middleton, si je me souviens bien. Et là, on a été légèrement dérangé par des gangers. Enfin, des Bloods, quoi, d'un gang afro-américain. Des gens très sympathiques qui s'amusent à foncer en bagnole et écraser tout ce qu'il y a sur eux en tirant dans tous les sens. Oh, On les super. a calmés. On les a calmés vite fait, bien fait, en pensant qu'on allait tous mourir. Non, une fois qu'on a réussi à calmer le jeu avec les gangers, on est allé voir le propriétaire de la voiture. Donc, on est allé à la maison de Monsieur José Renard, qui habite dans une espèce de banlieue résidentielle, on va dire, tout ce qu'il y a de plus banal. La maison était visitée. Donc, la porte était déjà ouverte, fracturée. Le truc a été fouillé de fond en comble. Mais alors, quand on dit de fond en comble, c'est fond en comble. Et on a Il y a trouvé un des elfes? ordinateur. Non. Bah dans fond On d'un a comble, trouvé il y un a des elfes ordinateur normalement. aussi dessus. Où il n'y avait plus de disque dur. La petite amie de José est arrivée sur les lieux en demandant ce qui se passait. Donc, alors je ne sais plus qui lui a causé. Moi. C'est Donc Rick. Rick. Rick, Eric pardon. qui se sent très bien dans l'élément féminin et Féminin? dans la causerie.
Et grosso modo, elle nous a dit que son José avait disparu depuis l'affaire de l'attaque du bâtiment. Par contre, voilà. Il devait se casser avec elle et il préparait un gros coup et ça irait super cool. Donc, il est censé récupérer beaucoup de pognon dans un gros coup et il a disparu après l'histoire du casse. Ouais. Donc on s'est dit que le fameux José, en fait, c'est certainement pas lui qui a buté tout le monde dans le truc, dans le bâtiment du Ku Klux Klan, parce que c'est, on va pas dire que c'est un loser, mais c'est pas loin, quoi. C'est un mec qui bossait à l'aéroport, qui piquait des trucs, qui s'est fait avoir, qui a perdu son job, et qui espérait faire un gros coup avec ça, quoi. Donc il était simplement engagé en tant que chauffeur. Il n'y a pas forcément de formation militaire, policière ou quoi que ce soit. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Donc aucun rapport avec le fait que les quatre autres étaient, ou les cinq autres étaient butés de manière de pro. Donc on se doute que ce fameux José, il était le conducteur qui s'est cassé après avoir déposé tout le monde, et donc il connaît le tueur, forcément. Ouais. Donc ça nous a forcément mis la puce à l'oreille. On est retourné pour faire notre truc, et on a eu la bonne intuition d'essayer de rappeler la petite amie de José, qui n'a pas répondu. Ce qu'on a trouvé suspect, on a localisé son téléphone portable, et on a débarqué. On l'a repéré qu'elle était les locaux de Protect 3000, la fameuse société de protection du bâtiment. Ouais. Voilà, c'est ça. De WP88. Donc, on a été faire on s'est pris un mandat parce qu'on s'est dit que c'était bizarre qu'elle soit là-bas. Ouais. On a obtenu notre mandat après avoir annoncé tout ce qu'on avait à notre chef, quoi. On a débarqué dans les locaux et on a trouvé la petite amie qui était légèrement en train de se faire torturer, c'est-à-dire qu'il avait la gueule éclatée à coups de poing américain, par trois gros cons, à savoir Marco Scholz qui faisait pas grand-chose, Martin Krause qui avait les poings américains et Paul Gattner qui avait son flingue. D'accord. Moi, j'étais pas là, hein. J'aurais foncé dans le tas. On les a arrêtés et emmenés pour interrogatoire, et grosso modo, en faisant la partie interrogatoire et en jouant sur les cordes sensibles, ils ont balancé le nom de leur patron, qui leur avait demandé d'enlever la nana et de lui demander où était José Reynard, où était le fameux ordinateur qui a disparu, et a priori on pense qu'il est avec José, et où est la liste. Et on suppose grandement que dans l'ordinateur qui a disparu, il y a la liste des membres du Ku Klux Klan. Que les membres... ils l'ont quasiment dit, hein. Parce que c'est... Grosso modo, c'est pas le genre de truc qu'on voudrait... Enfin, que les membres du Ku Klux Klan voudraient voir diffusé un peu partout. Il s'appelle Sean Campbell, l'accident de barbecue. Voilà, et donc, on a été voir... Attends, c'est bien, c'est important quand même. Il y en a qui a dit ouvertement que, en fait, Sean Campbell... tenez ces informations d'une taupe au LAPD. Ouais, donc a priori il y aurait une taupe chez les flics qui auraient renseigné Sean. Pour l'instant, les soupçons. Aussi membre du KKK. Les soupçons de Lynn se tournent quand même vers Denis quand même. Hein. Faut être honnête. Donc, on se dit que Sean était forcément un rouage, donc on est allé voir monsieur Sean Campbell et on l'a trouvé en train de cuire sur une croix devant chez lui. Donc on a tous conclu un accident de barbecue qui a mal déjà... Arrosé de White Spirit, hein, le mec. Attends. Sean Campbell, c'était pas un des gars qu'on devait interroger ? Non. Non, c'était le patron de la société de protection du bâtiment. Ah oui. C'est lui qui a donné l'ordre d'aller récupérer la meuf. Et qui est en contact avec le patron du Ku Klux Klan. Et il était au courant des méthodes qu'on lui a donné l'ordre de récupérer la meuf et qu'il a délégué derrière. D'accord. Oui. Et qu'on lui a fait comprendre que le fait que ces mecs se soient fait prendre, non, lui qui allait payer C'est pas vrai. On lui a donné l'ordre à lui de trouver José, et donc ces mecs ont trouvé la meuf comme nous, sa copine, l'ont embarqué, l'ont kidnappé et l'ont essayé de la faire parler pour qu'elle crache où était le mec. Le but pour l'instant, c'est de trouver José avant les autres. Parce qu'on se doute bien que s'il trouve José, à mon avis, il va terminer sur la croix. Et surtout, José connaît le meurtrier, donc il nous permet de résoudre l'affaire. Bon, ce serait bien aussi de savoir qui est le donneur d'ordre de Sean Campbell pour le faire arrêter aussi. Donc.
Oh bon, ah bah on se doute bien que ça doit être le patron du Cucuxan, là, monsieur Carl de Fontenay. Ouais. Maintenant, t'as pas de preuves directes, évidemment, mais on va dire qu'il y a un... Faut les créer. un faisceau de présomption assez fort. Bon. Est-ce que sur le corps du... De... On n'a pas fait Campbell, la scène de Campbell. On n'a pas fait la scène de Campbell. Ouais, ouais. Sean Campbell, on va reprendre au moment où vous arrivez avec la croix, leur feu, avec quelqu'un sur la croix. Il est quelle heure? C'est l'heure de rentrer chez soi? Ah bah, il est 10h, hein. Bon, bah, on rentre à la maison. Ouais, et normalement, ouais, parce que vous avez fait des heures sup, donc normalement, quand vous arrivez là-bas, il doit être 9h30, 10h. Super. Donc, il fait bah, déjà, on va pouvoir passer notre rappel en disant qu'il y a un barbecue qui dégénère. Alors, vous me faites tous un jet de perception instant flic, s'il vous plaît. Est-ce que je suis là? Bah oui, oui. Ah bah oui, on oui. Est tous allés sur place. Hein, même si c'est un petit peu c'est un peu téléphoné parce que ils étaient à une voiture la semaine dernière, ouais. À partir du moment où vous êtes 4, il y a 2 voitures. Hein, donc voilà, oui. T'es avec... Perception, c'est ça? D'accord. Ouais, perception instant flic. Perception instant flic. Comment ça marche, ça, en fait? Poupou. Ouais. Ah ouais. Ouais. Merde, je me suis trompé. Oui, ah ouais. Un peu, ouais. Parce que là, sinon, oui, c'est violent. 8 réussites. Hein. Putain. J'ai une réussite quand même. Alors, c'est le nombre de dés qu'il faut lancer et la difficulté, c'est ça hein. C'est ça. Non, et ton. Point d'exclamation. C'est ta compétence. C'est ta compétence. Ouais. Ta caractère. Enfin, oui, la difficulté, c'est moi qui la détermine. Ah ah! J'ai essayé! Bon, pour Lynn, très clairement, ouais. Ce qui brûle, c'est un mannequin, hein. c'est pas quelqu'un de vivant. Ah! Ah bah oui, vous laissez sur un cliff, ça veut pas dire que c'était ça, hein! Ah, le putain de cliff! Ah, c'est une menace en fait! Ça. Ouais, je sais pas si c'est une menace, mais bah déjà, c'est bien, c'est pas du trouble à l'ordre public ça! C'est sur ton terrain. Bon, c'est une menace. Et alors, s'il se fout à poil sur son terrain, c'est aussi du trouble à l'ordre public. Alors, la question, c'est du coup, il est en train de cramer. Ok. Enfin, le mannequin est en train de cramer. Maintenant, où est la voiture? Où est le gars? Où est-ce qu'il y a des... A priori, c'est une petite villa. Il y a un service de sécurité. Et donc, il y a deux voitures de garées devant la villa, il y a une grille... En fait, ils ont juste fait la teuf hier, quoi. Ils ont oublié de décrocher la déco. On a un mandat pour l'arrêter, ce bonhomme. Hein. Oui, oui. Mais c'est interdit de faire cramer un mannequin dans son jardin, ou pas? Je pense pas. En même temps, si tu veux l'arrêter pour ça, je pense que t'as plus fort pour l'arrêter que ça. Hein. Oui, on a un mandat parce qu'il est soupçonné de séquestration et torture. Blessure et torture, donc c'est bon. Ouais. Bon, bah, faut couvrir les sorties hein, et faut aller l'arrêter. On fait le tour vite fait du bâtiment avant d'aller dedans. Du coup, je vous dis que c'est un mannequin qui brûle. Hein, d'accord. Voilà, hein, on est d'accord. la voiture de Wedge fait le tour du bâtiment. En gros, le bâtiment est entouré d'une clôture, un mur qui fait 2,50 m de haut. Et il n'y a pas d'autres portes que le portail de devant où il y a un vigile. Très bien. Me gare pour bloquer le portail. Ok. Bah, tu sais, on peut y aller en mode. Guillermo. Moi, je vais sortir de la voiture et puis je vais aller au portail voir les gardes qui sont présents. Bonjour. Guillermo, Cops, nous avons un mandat et nous souhaiterions voir monsieur Sean Campbell. Attendez. Flic. Mandat. Sean. Ok, j'attends. Ils arrivent. On rentre. Non, ils ouvrent pas la porte, je pense que le mandat. En même temps, t'as pas demandé à rentrer, hein. Non, t'as demandé à voir. Ouvrez la porte, merde, enfin, je sais pas. Bah, qu'est-ce que vous faites Moi, je rentre. Cops. Oui, bah voilà. Je reste au volant au cas où. Tu enfonces le portail parce qu'il est fermé le portail. Ouvrez cette porte. Ouais.
Le mec, je peux voir votre mandat à ce moment-là. Parce que bon, c'est pour faire rentrer. Ça, c'est une propriété privée. Hein. Ok, on va lui montrer le mandat. Donc le mec... On lui donne pas, on lui montre... Ouais, le mec, il regarde. Salaire officiel. il pipe rien, hein, a priori. Un peu que c'est officiel, mon dieu. Donc, bah, il ouvre. Tu vas gentiment ouvrir la porte et tu vas bien fermer ta gueule et tu vas pas communiquer par radio, d'accord ? C'est bon, il ouvre. Ça, par contre, si, il va communiquer, mais ouvre, il ouvre la porte. Non, on va lui prendre sa radio, hein, faut pas déconner. Hey attends, faut garder droit, tu veux pas que... C'est un objet à quelqu'un comme ça, quoi. Non, parce que s'il communique à son pote qu'on est en train de monter pour l'arrêter, et que son pote se casse, clairement, je l'arrête. Il y en a un qui peut rester écouter ce qu'il dit. Il n'y a pas de sortie, donc c'est un putain de bunker avec un gros mur. Attends, il y a peut-être des passages secrets, je suis désolé. Il y a peut-être un hélicoptère, voilà, tu sais pas. Un vitol caché derrière la maison, on sait jamais. Une batcave, voilà, un accès au port. Ouais, mais bon, justement, quoi. On n'est pas là pour arrêter Bruce Wayne, on est là pour arrêter Sean Campbell. Sean Campbell, il a pas de cave, il a pas de Batmobile, et il va se faire arrêter comme un gros con. Attends, le mec, il travaille dans une société de sécurité, quoi, il a contrôle. Dans tous les cas. On va se diriger vers la maison. En même temps, il y a deux personnes qui sortent de la maison habillées en costard cravate et qui viennent vers vous. Ils sont pas armés. Est-ce que l'un des deux ressemble à Sean Campbell ? Ouais, il y en a un des deux, c'est Sean Campbell. Ah. Bon, a priori... Et l'autre, il s'adresse à vous. Bonjour, Justine McNamara, avocat. Eh ben, monsieur McNamara... Lynn, tu veux lire les droits à monsieur Campbell ? Détective Lynn Gray, nous sommes là pour arrêter... Attendez, je dois lire... Je dois lire votre mandat. Ouais, on lui tend gentiment. Voilà. Ouais, il lit. Je tiens à noter que mon client se rend sans résistance aux forces de l'ordre. C'est bien dommage. J'ai tout à fait noté. Lynn, est-ce que tu peux lire les droits à ce monsieur ? Oui, tout à fait. Je lis les droits au monsieur. Je demande à l'accompagner. Quelqu'un s'y connaît en... Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Est-ce qu'elle a le droit de venir dans les premières heures ? Pour le coup... Normalement, pas trop, quoi. Si tu veux l'interroger... Alors, monsieur bien, Campbell... Mais... Attends, c'est qu'il a le droit de l'assistance d'un avocat en temps d'interrogatoire. Donc, c'est lui qui doit dire oui. Pour question de sécurité, on ne peut pas vous mettre avec un prévenu dans une même voiture, donc vous prendrez la voiture 2. Voilà. Évidemment, la voiture 2, elle va faire un petit détour, hein, quelque part, oui, mais... voilà. Alors... Je tiens à préciser qu'aucun interrogatoire ne sera fait à mon client si je ne suis pas présent. Bien sûr. Ah, bien sûr. Je vois que la caméra enregistre et si je ne suis pas présent, ses aveux ne seront pas ou tout ce qu'il pourra dire ne se pourra pas être retenu au tribunal. Ah oui. C'est vrai. Bah écoutez, on peut pas empêcher quelqu'un de parler. Je veux dire. Bon, bah on y va. Hein. Vous allez. Attends. Don Bondine ne peut pas être fouillé à la baraque ou pas? Ah, pour l'instant, vous avez un mandat pour l'arrêter. On a un mandat pour l'arrêter, on n'a pas un mandat pour fouiller la baraque. Par contre, je vais fouiller Monsieur Campbell et l'avocat, voir s'ils ont des armes sur... Non, l'avocat, elle n'est pas arrêtée à l'arrestation. L'avocat, il n'est pas arrêté, hein. Oui, mais dans la voiture, je veux savoir s'il a des armes. Je suis d'accord. C'est toi qui lui demande si tu peux le fouiller, hein, pour le coup, et s'il accepte ou pas. Tout à fait. Et s'il accepte pas, dans ce cas-là, je me vois dans le regret de lui dire que je ne le laisse pas monter dans la voiture. Ah, mais de toute façon, il te dit qu'il va vous suivre. Il n'y a pas de soucis. Mais t'as, qui nous suit, il n'y a pas de problème. Ah, c'est un vitol caché derrière la maison. Mais ouais, il va vous suivre avec une des voitures sportives de son client. Il pense qu'il va sortir assez rapidement. Bon, ah, allez, on y va parce qu'on n'a pas que ça à faire aussi. Hein. On est déjà en dehors sup, les mecs. Là. Et vous avez fait un barbecue ce matin, non? Des amis de mon... il te dit, c'est l'avocat qui répond. Des amis de mon client ont décidé d'honorer son jardin cette nuit. Okay. Mon client a décidé de ne pas porter plainte. Oui, il a bien raison, c'est assez festif comme truc. Hein.
C'est sûr que maintenant, oui, on le trouve vachement bien noir, le mec sur la croix, mais bon. Normalement, d'ailleurs, les pompiers devraient arriver d'une minute à l'autre pour éteindre ça. Et, Monsieur Campbell, vos amis sont très chaleureux. Pas de réponse de Monsieur Campbell. Bon, allez, Monsieur Campbell, il va se mettre sur le siège arrière. Je dirais même que c'est probablement une allumeuse, mais qui vous a fait ça, mais... Tu prends le volant, Lynn, ou je prends le volant? Non, non, vas-y, conduis. J'ai une voiture, donc... Mais bon. Non, sinon, on va finir dans les murs, hein, sinon tu conduis. Bah, c'est parti, on retourne vers le commissariat, hein, de toute façon. Ouais. Gyrophare et tout petit quanti, hein. Ok. Bah, oui, ce qui fait que l'autre, il peut pas vous suivre. Bah oui. Bah oui, forcément. Par contre, ce qui est cool... disons que si j'arrive à stresser bien comme il faut l'avocat, ça peut être cool. Il faudrait que tu textotes, je sais pas moi, par exemple, à la presse que... Non. Tu veux mettre les médias dans l'histoire pour le moment? Moi je le ferai pas. Hein. Bon. Disons que ça a un côté chaotique que tu ne maîtriseras pas. Ouais. Non mais bon. Je pense que s'il est arrêté dans le cadre d'être... C'est-à-dire que la réputation du Ku Klux Klan au niveau médiatique... Ça ne doit pas être brillante déjà de base. Mais bon. Je pense que tu n'as pas besoin de leur pourrir la réputation au Ku Klux Klan. Ouais, ouais. Bon, ok, d'accord. Bon, de toute façon, on y va avec toute sirène hurlante. Et puis, on respecte la procédure vraiment à la lettre, à savoir que quand il rentre, on va le mettre en cellule. Il retire ses chaussures, ses lacets, sa cravate, son truc. Ah oui, la totale, hein. Pour pas qu'il se mette, j'ai compris. La totale. Alors là, je peux dire qu'il est j'ai pas, pas envie qu'il brûle sur place, le gars. Voilà. Est-ce qu'on lui retire aussi le pantalon? Non. La ceinture aussi. Alors, non, par contre. Il peut se pendre avec le pantalon. Moi, ce que je veux faire, c'est bien stresser son avocat. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Non, en fait, ce que je fais, c'est que je donne des consignes pour qu'on retarde son avocat le plus possible. Genre que quelqu'un rentre avec elle dans l'ascenseur et appuie sur tous les boutons. Hein ? Oui, reste voilà. Bon, ça changera pas grand chose, il sera là à l'interrogatoire. Hein. Non, non, il sera là, mais il sera vénère. Oui. Et ça c'est cool. Il sera pas content. La question c'est, est-ce que notre chef veut, est-ce que le lieutenant, comment il s'appelle déjà ? Hawkins, Todd Hawkins. Est-ce que le lieutenant Hawkins veut que ce soit nous qui fassions l'interrogatoire? Ah bah, de toute façon, ça sera vous. Et ça sera pas tout de suite, parce que vous êtes en hors-sup, là. Alors, à moins que vous voulez faire maintenant, ça sera demain, ça sera ce soir. Ah bah oui, bah voilà, il va passer quelques heures dans sa cellule. C'est très bien, ça. Bon, par contre... faites gaffe au temps, parce que dans 24 heures, son avocat va commencer à nous chier dessus pour le faire sortir. Mais dans 8 heures, sera le cul. Ouais, c'est ça, et puis s'il chie pour une merde... Ça ouais, bah, ça... le jour où vous allez vous prendre un vice de forme parce que vous avez zappé un pauvre truc de dessus et qu'il vous le sortir juste devant vos yeux... Ou qui sortira il sera acquitté du tribunal, vous l'aurez bien dans le furon. Alors, hein, alors lieutenant, je peux vous dire que pour l'instant, on vous a fait une arrestation aux petits oignons qui serait digne de faire dans le manuel d'instruction. On verra ça à la fin. Oui. Donc du coup, le fait est que on part tous chez nous au moment où l'avocat sort de l'ascenseur, hein. Comme ça, non, au moment où il sort de l'ascenseur, nous on y rentre en disant je suis désolé, mais on a terminé notre service, donc à ce soir. Voilà, à demain. À demain ce soir. Voilà. Et donc il est 11h quand vous rentrez dans vos voitures. Pour rentrer chez vous, vous devez farcir les embouteillages avant. Ouais. Je veux dire, quand je prends le métro pour rentrer chez moi. Je suis toujours avec ma bagnole pourrie. Ouais. Ouais, bah, dis-toi que t'as une bagnole, toi. Bah, tu veux que je te dépose? Ah non, c'est peut-être pas dans le même coin. Non, c'est pas trop dans le même coin. Ça dépend, tu tiens ta bagnole ou pas? Moi, je vais téléphoner à mon père. Ça va, où t'habites, hein. Ouais, non, ça va encore. Je vais téléphoner à mon père parce que je voudrais lui parler avant mon service de ce soir, quoi. Ok. Et où? Pour savoir où il est, quoi. Ah là, il est au bureau. Bah, allô papa. J'aime pas quand tu m'appelles papa. Certes, mais papa. J'ai besoin de te parler de façon... d'un sujet un petit peu délicat qui concerne, la police.
Je vois voir comment on dit. Du coup, est-ce que je peux passer à la maison ce soir vers 20h ou je passe à ton bureau? Tu veux, je sais pas. T'es sur quel service en ce moment? Le service de nuit. Bah, limite, quand juste avant de prendre ton service, tu passes au bureau. Ça sera plus simple, parce que moi, j'ai le service juste avant. D'accord. Ça me va. Très bien. Bah, ce soir, du coup. Aïe. Voilà, et je vais me coucher. Bon, je vais passer à l'hôpital quand même, parce que j'aurais savoir s'il y a du neuf, on sait jamais. J'y crois pas trop, mais sait-on jamais. T'arrives à l'hôpital, tu vas directement à la chambre de ta sœur et tu trouves le lit vide. Hein ? Je la trouve, elle, livide. Non, non, le lit. Non, non. Alors, c'est moi qui deviens livide. J'essaie de choper la première infirmière ou infirmier ou n'importe qui passe dans le coin en disant, mais... excusez-moi, vous, qui s'est passé ? Il est censé avoir quelqu'un, qui là. Qui ça ? Il est censé avoir ma sœur, une jeune fille. Elle regarde, ah oui, en effet, il est censé. Eh ben, elle est où ? Je sais pas, demandez à l'accueil. Eh ben, je me précipite à l'accueil. Oui, ah. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des mecs en bus qui sont venus la chercher. Ils avaient une odeur de méchoui. Non, bah, je viens pour Maria Gonzalvez. Maria Gonzalvez. Attendez, c'est qui exactement? Elle est dans sur quel service? Elle était dans telle chambre, tel service, mais elle y est plus. Et déjà, un, elle est mineure, et deux, je voudrais bien savoir où elle se trouve. Ah, mais elle était déplacée dans la chambre d'à côté. Comment ça, déplacée dans la chambre d'à côté? Bah, on doit libérer un peu de place, et c'est le management qui a dit qu'il fallait réorganiser les chambres, et on l'a déplacée. D'ailleurs, comment vous dire alors, je vous laisser... chambres, elle te donne la chambre. Ok, je vais vous laisser un numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre à n'importe quelle heure. Mais c'est très important, si vous la déplacez, prévenez-moi, s'il vous plaît. Elle met ça sur un de ses nombreux post-it de son écran. Bah, on peut pas le mettre dans le dossier informatique. En fait, ça l'a fait chier, surtout. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Par contre, moi, je viens de prendre 10 ans d'un coup, là. Oh, nom de Dieu. Donc, elle est bien dans sa nouvelle chambre? Oui. Ah, putain. Bon, bah, je sens que je vais rester avec elle pas mal de temps, parce que j'ai besoin de... Je me suis fait une montée d'adrénaline d'un seul coup. D'ailleurs, ça me rend un peu parano. Y a personne, y a pas de bagnole au coin de la rue. Fais-moi un jet de perception sans oblique. Enfoiré. Ah bah tu demandes, hein. Ouais. C'est pas indiqué quelque chose, hein, mais j'ai envie de te faire le jet. Ah ouais. Quand même. Alors tu regardes, mais clairement. Ouais, clairement. De l'autre côté de la rue, il y a deux jeunes qui sont en train de dealer. A priori, ça, il doit avoir un des employés de l'hôpital et il doit le refourguer de l'héroïne. Pas de l'héroïne, de... Des stupéfiants, ouais. Enfin, de la morphine. Je reconnais les jeunes de l'hôpital, ils sont dans le service. Bah, en fait, ils ont dit qu'il y en a un qui habille en interne, en gros, il a la veste, tout. Bon, enfin. Mais de là, ouais, ils sont en train de dealer, hein. Ok, bon, bah je vais leur laisser faire le deal, par contre, je vais rester un petit moment, et en sortant, je vais essayer de voir l'interne. Mmh. Donc tu te poses avec ta comment ça s'appelle, un truc, tu laisses tomber le deal, tu restes oui, avec oui, la... Oui, okay. Je reste avec ma sœur, etc. Par contre, quand je quitte ma sœur, grosso modo, une soixantaine de minutes après, j'essaye de retrouver l'interne. Ouais, tu le retrouves. Il est quoi? Il est latino? Il a été planté et il est mort. Oh putain. Ah ouais. Oh putain, le nom de Dieu. A priori, le gars avait pas d'argent et a voulu lui prendre de force le truc. Tu tombes sur un collègue, hein, qu'elle a, et qui t'explique le truc quand tu cherches. Ouais, bah,
ils ont. Vous avez appelé les flics, je suppose. Non, mais c'est un collègue qui te le dit. Oui, c'est un collègue, oui. Donc, bah écoute, au collègue, je lui dis que en arrivant, j'ai vu un truc. Je pense qu'il était en train de faire un truc avec quelqu'un, mais comme j'en étais pas sûr, j'avais pas foncé à faire n'importe quoi, mais je lui donne la description du type qui était en train de dealer. Quoi. Ouais. Tu regardes bizarrement quand même ton collègue. Bah oui, mais bon, m'excuse, t'as plus de 12 heures dans les baskets au bout d'un moment. Attends, t'es cops, tu veux prendre l'affaire. T'as pas ouais, mais... la description du gars. Hein. Alors, comment te dire non. Non. Surtout pas. Surtout pas. D'ailleurs, je dis au collègue que justement, je suis en mission, là, je peux pas... Je veux pas casser ma couverture pour ça, quoi. Donc, c'est pour ça que tu donnes l'information. Bon. Pendant je le baratine, hein, mais je grosso oui, modo, non, j'ai c'est fait pas grave. Lui, il a l'information qui l'intéresse, le reste, il s'en tamponne. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, grosso modo, il a le descriptif. Oui, il a un signalement. Et tout, il a son signalement. Et je vais rentrer me pioncer. Pendant ce temps, les autres. Bah, moi, vu que j'ai fait des heures sup, je vais passer dire bonjour à ma copine là, chez les gens. Ah, bah, chez les gens, elle est très contente de te voir. Elle est en train d'annoncer qu'il y a une agression dans un hôpital, à côté d'un hôpital. Mais elle est très très heureuse de te voir. D'accord. Moi, je lui fais un bisou et puis je me rentre pour dormir. Pas de soucis. Et Denis. Ben, 2 heures de sport, je passe voir. Comment il s'appelle en fait Je sais pas, qui tu veux. Jiao Chan. Ouais. Juste pour lui dire un coucou. Non, bah non, comme... non, tu restes manger, hein, il est midi. Je sais, je reste manger, et puis bah, du coup, je lui parle de mes premiers jours au COPS et compagnie, un peu. Comment ça se passe pour moi, quoi. Bah, il est très content que ça, si ça se passe bien. Enfin, tu sais pas si ça se passe bien ou mal en fait, pour le coup. Ouais, c'est ça. C'est... Bah, tu lui dis quoi en fait? C'est bien, mal? Bah, ça se passe bien. Bon, bah, il est très content pour toi. Ouais, il est très content pour toi et il dit pas te faire tuer surtout. T'inquiète pas, je. C'est moi qui tue les gens. T'inquiète pas, j'ai déjà fait de belles arrestations bien musclées comme j'aime le faire. Voilà, c'est bon. Voilà, bon bah il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Et puis j'ai de bons coéquipiers. Vous recevez un message de votre collègue Danny qui est putain, vous avez rencontré ce connard de fils de pute de cousin de Justin Damara. What? Je regarde sur internet qui est Justin Damara. C'est un avocat, mais surtout en fait c'est il fait partie d'une famille de flics dont fait partie Danny. D'accord. Enfin, c'est un cousin direct, un cousin de Danny en fait. What? Attends, j'ai pas compris. Tu peux retenir le message, qu'est-ce qu'il disait exactement? Bah en gros que vous avez rencontré son cousin et que c'était un connard. C'est qui son cousin? C'est l'avocat de Campbell. C'est l'avocat, c'est ça? Tout à fait. Ok. Je sais pas pourquoi je t'avais dit sur le fait que c'était une avocate, mais... Oui, moi aussi, je pensais que c'était une avocate. Non, Justine, c'est un avocat. Ok. Un putain d'avocat. Bon, bah sinon, bah quand vous voulez, roll call et puis. À moins qu'il y ait autre chose à rajouter sur votre. Moi je dormais ensuite. Après ma journée, je vais aller. Après dormir, je vais aller voir mon père du coup. Ouais. Donc, pompon. Ouais, bah du coup. Merci de me recevoir. Hein. Vite fait, je t'explique le problème, je ferme la porte évidemment. Ouais, je te sers un verre de scotch. C'est un peu délicat, mais. Je pense qu'il y a une. Une taupe dans le service. Ops. Non, où elle est, je pense. Entre les taupes du SAD, les taupes des mafias, les taupes de... Des taupes, il y en a en foison, et la plupart, ils sont même pas au courant que c'est des taupes. Ouais, mais du coup, Comment suffit que tu parles de toutes tes affaires à ton petit commerçant coréen du coin, et ça y est, toute la mafia coréenne est au courant.
J'ai pas parlé de l'affaire. Mais non, mais... Oui, mais... C'est pas grave. Oui, mais quand tu parles sur la radio et que... Et que les faces de citron mecs... écoutent... Et que les... Non, mais surtout que les mecs, ils sont arrivés 5 minutes après, hein, on est en train de discuter avec la meuf, quoi, tu sois arrivé, quand même. Et que les mecs arrivent après nous, voire même parfois avant nous, sur certaines choses, ça commence à me gonfler le menu. Du coup, je prévois des actions relativement violentes. Le mieux, c'est de leur tendre un piège. Hein. Je veux dire, si tu sais que tes communications sont écoutées, tu balances une info qui peut paraître plausible, mais foireuse, et tu tends un piège. Mais la question, c'est pas de savoir si je vais leur tendre un piège ou pas. Ça c'est prévu. Mais... c'est plutôt c'est de lever la taupe. La sentence, quoi. La sentence, une fois que j'ai identifié la personne, est-ce que il vaut mieux que j'aille la voir et que je règle ça entre elle et moi, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille voir le SAD? Voilà, c'est que j'ai pas forcément envie de passer pour une balance. Si t'as des preuves à charge, tu vas voir le SAD. Ils font plutôt du bon boulot, même si, c'est jamais d'un point de vue. D'un point de vue d'image, c'est jamais glorieux d'aller voir le SAD pour dénoncer un collègue, quoi. Ouais. Maintenant, après, tu peux aussi régler ça avec lui. Ça va dépendre qui c'est pour toi, ce gars. Hein, si c'est quelqu'un d'important. Tu règles ça à l'irlandaise avec lui, c'est-à-dire que tu le chopes dans un coin sombre et puis tu le tabasses. Moi, j'avoue que il te dit, moi, sous mes ordres, je suis déjà tombé sur un gars qui était en cheville avec les mafias. Le gars, il nous a, sur une intervention, il nous a balance. Je peux te dire que c'est pas assez. Disons que il va s'en souvenir un bon moment. Oui, je me doute. Surtout qu'il marche plus. C'est-à-dire ce mec qui pouvait plus marcher, qui avait perdu ses deux mains, qui était aveugle et qui avait perdu sa mâchoire aussi. Bah ouais, là, c'est... Dans ton cas, c'est plus grave parce que voilà, ça met en danger tes hommes en jeu. Là, oui, mais en même temps, ça te met en danger a priori. Ouais. Non, mais si tu veux, tu me donnes son nom, hein. C'est tentant, mais je vais attendre de l'identifier avant de lancer quoi que ce soit, mais voilà, je voulais savoir si ça... C'est des choses qui se faisaient quand même, quoi. Bah, ça se fait pas, officiellement ça se fait pas. Maintenant, c'est arrivé que quand le mec est une vraie sneaky bitch et que tu peux pas le toper... Que des collègues un peu énervés le neutralisent d'une façon ou d'une autre. Bon, on tue pas un collègue, mais on va faire en sorte, par exemple, qu'il ait une promotion en carton et qu'il soit retrouvé dans un poste qui sert à rien. Déjà, ça peut être un truc qui peut servir. Si le mec ou a alors un le fameux match annuel de football américain interpolice. Hein, bon, il peut être d'un seul coup plaqué au sol par trois mecs d'un coup. Hein. Simplement, ouais, moi j'aurais dit 20. Mais bon, disons que des fois ça peut se régler, on va dire, entre flics, mais majoritairement c'est surtout quand c'est dans ton propre service, quoi. C'est les règlements entre propres services, ça se règle souvent entre flics. Par contre, quand c'est d'un autre service, majoritairement pour éviter une guerre des polices encore plus grosse, on préfère laisser au SAD le soin de le faire. Comme ça, chacun s'en lave les mains et c'est le SAD qui essuie la merde. Sachant qu'on est sûr que c'est pas avec du COPS. Hein. Ouais. Bah, on sait rien, bien. En fait, hein, c'est n'importe quoi. Si, parce qu'il a pas eu accès à toutes les infos. Il a pas révélé les infos qu'il y avait dans nos dossiers à nous. Il a révélé que ce qui était passé par la radio. Bah, donc, de là à penser que. Qui peuvent l'écouter. De là à penser que c'est un ange qui nous trahit, hein. Non. On n'est pas loin. Mais un ange qui aurait tout d'un démon, alors. Peut-être. Facile celle-là. Qu'est-ce que je voulais dire? La première chose que je vais faire, c'est quand on pourra commencer à aller bosser, c'est faut que je récupère un mandat pour aller regarder la vidéo surveillance qu'on n'est jamais allé voir. Laquelle? Celle où j'avais noté ça, le box où le mec avait un rendez-vous pour récupérer la bagnole. Attends, déjà roll call. Et après, vous me direz ce que chacun fait. Bon. Bon. Roll call, donc le roll call commence. Faut qu'on finisse l'enquête avant que j'ai mon concours de tir.
De toute façon, l'enquête, le concours de tir, c'est la semaine prochaine. Hein. Oui, là, on est mercredi, hein, mercredi soir. C'est bon, dans deux jours, c'est clos comme affaire. Ouais. Donc toutes les tâches sont dispersées. Hop. Donc, tiens, je vais vous mettre quelques petites photos des cops qui sont là au roll call. Hop. Ils sont pas tous là. Il y en a d'autres, mais je vous en mets déjà quelques-unes. Ça vous fait un petit. Oh putain. Bah déjà, Metro et Loman, ils doivent bien apprécier Sean Campbell. Voilà, ça vous en fait. Ah oui, ils ont des tronches quand même. Hein. En sachant que le nom de l'image, c'est leur pseudo, hein, c'est leur surnom. Ouais. Et à droite, c'est leur vrai nom et leur vrai prénom. Ouais. Ne me dis rien, Pitbull, c'est pas celui que tu ne fais pas chier. Genre la plupart, hein, tu les fais pas chier en soi. ça reste des cops. Hein. Mais Pitbull, ça doit être un mec carrure aussi, non? C'est un costaud. Attention, pour l'instant, vous n'avez pas, à part Sniper et. Il y a aussi l'Asiate qui est là, qui a regardé les trucs de Guillermo. La plupart, vous n'avez pas encore parlé avec eux, donc vous connaissez pas grand chose d'eux. Hein. Oui, mais physiquement, Pitbull, il est costaud, quoi. Oui, il est stock. Bon. Ah. Yeah. Ah, c'est... Bon. Donc tout le monde s'en va, il reste plus que votre équipe. Bon, alors, j'ai quelque chose pour vous. Oh merde. Ah. Bah un interrogatoire déjà. Ah, il vous passe une grosse enveloppe de papier craft. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah vu que moi je sais lire, je l'ouvre. Non mais on joue pas à Wattsburg là. Non mais c'est bon, on devine c'est quoi dedans, c'est de l'argent. Non, c'est pas non, de l'argent. Non. C'est les rapports de police, la scientifique et tout. Ouais, c'est... Alors tu ouvres, t'as plusieurs photos en fait de cadavres d'une scène de crime. Bon, vous êtes sur cette affaire aussi. Sérieusement hein. C'est le même modus operandi que notre tueur, non? Ah mais vous faites les deux, hein. Vous êtes deux équipes, vous pouvez vous démerder. De toute façon, la scène de crime est fermée pour est bloquée jusqu'à que vous alliez dessus pour la faire et la libérer. Donc, c'est un meurtre et il s'est passé à touk. Bah pour le coup, on va rester sur comment ça s'appelle, New Downtown. Il semblerait que la personne en fait est écrasée au milieu de la route. A été poussé du 10e étage d'un immeuble. What? Selon les caméras de surveillance. Malheureusement, on n'a pas. Vous êtes sur l'affaire parce que c'est simple, personne n'a envie de le faire, donc je vous colle dessus. Pas de sympa, parce qu'on est les bleus. Donc, ouais. Bah, bon courage. Je vais pas être responsable de celle-là, hein, parce que. Ah bah oui, non, clairement pas. Qui c'est qui. Ah, responsabilité! Allez, okay. Faut bien sacrifier, je me sacrifie. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va tous ou on se sépare pour que... Parce que moi, j'aimerais bien, il faudrait quand même vraiment qu'on aille voir cette putain de vidéosurveillance, quoi. Mais bon, je vais... Bah, en gros, ce qui reste à faire, c'est aller faire la scène de crime, enquêter sur... faire l'interrogatoire... Prioriser, hein, surtout. Ouais. Ouais. Faut que les personnes s'y collent le plus vite possible, hein, parce que c'est 24 heures. Pas sûr. Ouais. Lynn, l'interrogatoire, ça serait cool que tu te fasses vers 4-5 heures du mat, parce que ça va le faire chier, ça va le réveiller, il sera pas en pleine forme, et il sera plus malléable. Alors, je vous laisse réfléchir à votre truc, je vais me faire juste petite tisane. Je reviens. Qu'est-ce qu'elle en pense, Lynn? Bah, en fait, l'idée, c'est que je me dis que si je pars là, maintenant, et que je fais autre chose... C'est pas sûr que tu vas faire un interrogatoire. C'est ça. C'est que je pense que on va se prendre des trucs d'urgence à faire, et qu'au final, on va rater le truc. Donc moi, je serais partant pour... On fait l'interrogatoire maintenant, dès le départ. Ouais. Ou sinon, on sait pas... Moi, je serais resté pour faire la trace,
et attendre quelques heures histoire de le faire bien mariner, parce que là il s'attend à être interrogé tout de suite. Alors, si oui, tu mais fais mariner... je pense qu'on peut pas se permettre d'attendre trop. Oui, voilà. Moi je serais partisan de. Soit on sépare, et donc il y a des gens qui restent pour mener l'interrogatoire, mais il faut qu'on soit plusieurs. Et une personne qui peut aller sur le crime et une personne qui peut aller sur les caméras. Je pense que sur les caméras ça peut attendre, donc c'est pas ça, ouais. Peut mettre en priorité 2. Maintenant, est-ce que on fait un Parce que moi, c'est avoir le mandat. Moi, ce que je vais faire, c'est avoir le mandat sur moi, comme ça. Oui. Donc le mandat. Je vous signale quand même que notre priorité dans l'affaire du Cucuxon, c'est mettre la main sur José Reynard. C'est ça. Parce que si on n'arrive pas à mettre la main dessus, on va le retrouver sur une croix. Ah non. Mais, et la dernière image en fait. qu'on a de lui qu'on peut avoir, c'est celle de la vidéo, hein, mine de rien. Oui. Non, mais ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on fasse une équipe qui fait l'interrogatoire et l'autre équipe qui va faire la scène de crime. Et avant de partir, qui s'occupe de faire la paperasse pour le mandat, c'est rapide ça. Oui. Bah, moi j'irais bien voir sa petite amie, histoire de la recuisiner, et de lui faire comprendre que si jamais il le contacte, bah, elle est contactée par José, qu'elle nous prévienne à ZAP, quoi. Parce que vraiment lui mettre la pression en disant que sa vie est en jeu. A priori, il voulait se casser avec. Donc, soit il se planque parce qu'il a les jetons, mais au bout d'un moment, il va essayer de se rebarrer quand même. Ça semble évident. De toute façon, le mec tombé du deuxième étage, c'est José. Hein. Il y a des... Ouais, enfin... Ouais. Normalement, c'est deux trucs distincts. Alors, quand même drôle, je propose un truc, si vous permettez. Sib, tu vas voir pour ces vidéos comme tu le désires. Moi, je vais libérer la scène de crime du mec jeté au dixième, parce que j'ai pris la responsabilité. Il faut qu'il y ait deux sur la scène de crime, par principe, non? Bon, pas forcément. Là, il y a qu'un seul mec. S'il y a qu'un seul Maccabée, c'est pas forcément la peine. Parce qu'il y aura des trucs sur place. Je te dis, il va plus beaucoup bouger, donc je pense que. Par contre, avant de partir, faut peut-être demander un mandat directement pour le bâtiment. Hein. Le bâtiment du gars du 10ème. Ouais, si jeter du 10ème étage d'un bâtiment, faut un mandat de ce bâtiment-là. Pour aller directement enquêter sur dans la salle où il est tombé. Non mais ça c'est bon, si c'est de crime t'as besoin de mandat. Il s'est fait jeter. Oui, d'un côté c'est vrai que. Et on du sait coup, jamais. Il reste qui pour faire l'interrogatoire? Bah reste les deux. Guillermo et moi toi. Et Dany peut-être. Bah moi sinon je peux faire. Le truc c'est qu'on couvre pas forcément. Guillermo et Lynn sont assez. On a des méthodes d'interrogatoire assez proches, je pense. Ah ouais, parce que moi j'ai beaucoup en éloquence, mais sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux rester là si je fais la paperasse aussi. Je peux faire la paperasse. Dans ce cas-là, je te laisse avec Lynn et moi je vais voir la petite amie de José, on sait jamais. Je voudrais essayer de creuser la piste quand même. Ok, on se sépare comme ça. Ok, bon, moi je reste ici, comme ça je fais la paperasse et je fais l'interrogatoire en partie aussi. Ok. Ça me bat. Ça me bat aussi. Moi, je suis bon en éloquence et un peu en rhétorique pour les scènes de crime. C'est en intimidation, enfin pour les interrogatoires. C'est interrogation où je suis très mauvais. Intimidation. Oui, bah, moi, je suis très intimidation, donc il n'y a pas de souci. T'inquiète, intimidation, je gère aussi. À moi, en interrogatoire, je suis très bon en conduite. Généralement, vous le foutez dans une bagnole avec moi, je fais un tour de pâté de maison et il vous déballe tout ce qu'il sait. Ah, je connaissais une cuisinière qui était comme ça. Tu vois, elle faisait les repas et tu disais au mec, parle sinon on te fait manger ça. Ça marchait, ouais, hein. Ça marchait, bah voilà, bah moi c'est la même chose, mec, une manière. Donc, est-ce que ça peut se soumettre à de l'intimidation? C'est la torture, je pense. Ah, y a pas de trace. Hein. Moi je suis donc, très mauvais en premier secours, je peux faire un interrogatoire avec. Denis, il a. Tu pars sur le crime? Oui. Guillermo, il part voir la petite copine. Alors, le crime, ensemble, on va l'appeler le 10ème étage, ça me paraît pas mal. Oui. On va l'appeler numéro 10. Ou la flaque. La flaque, c'est pas mal aussi. La flaque, c'est bien, ouais. Encore mieux, Splatch. Non, mais la flaque, j'aime bien. Guillermo. Mais vous devriez partir ensemble, non, les deux? Non, faudrait que je dépose, faudrait que je fasse des détours, donc... Ouais, non, bah on a deux bagnoles, donc si on a deux qui restent pour l'interrogatoire, on prend chacun une bagnole et puis on va là-bas, quoi.
J'espère juste qu'on sera pas appelé sur un truc gang de blood ou etc. Parce que sinon tout seul, ça craint. Oui. Bah dans ce cas-là, c'est. C'est renfort, hein, c'est ça. Je sais pas si je ils sont pas toujours par deux normalement. Ouais. Que comme les témoins de Jéhovah. Un qui garde la voiture et l'autre qui va chercher les donuts. J'ai dit oui, c'est pas comme les témoins de Jéhovah, on n'est pas forcément par deux. Bon, vais-je parler de notre sauveur, le grand. Moi, il y a un truc quand même qu'il faut qu'on regarde, c'est quand même sur mon bureau, je dois avoir des notifications pour savoir si José a été reconnu quelque part dans la journée. Ouais. Ça, aussi, c'est un truc. On a fait, ça peut on a être fait intéressant à regarder unique. Quand même avant que vous partiez, quoi. On a fait une demande uniquement au niveau policier. On n'a pas diffusé dans les informations son portrait ni quoi que ce soit. Est-ce que ça aurait le coup Ouais, ça va être... enfin, j'aime pas l'idée de mettre les médias dans le coup. Moi, je sais pas non, parce que moi je pense que comme on sait qu'il y a une top, je pense que si la top est au courant que José a été reconnu par quelqu'un, les mecs seront notifié en même temps que nous. Ouais, et s'ils sont plus rapides, José est mort. Voilà. Bon alors, on récapépète pour le jeu. Ouais. On va se coucher. C'est ça. Voilà, bonne nuit. Vous pouvez pas, l'immeuble du COPS saute. Voilà, c'est ça. Donc, alors. Jamais vous avez vu un immeuble sauter aussi haut. En plus, la piège. Alors, le World Trade Center, il a dû faire un petit mouvement vers le haut quand même. Hein. Pas trop. Hein. Plutôt vers les étages au-dessus, si, un petit peu. Après, il est redescendu, effectivement. Bon. Alors, Lynn et Eric restent au COPS pour un interrogatoire. Mm-hmm. Guillermo, il va suivre. Il va un peu booster la copine de. De qui, au fait? De José. De José. Et moi, je vais sur la flaque du Elle est à l'hôpital, hein, la copine en question. Ah, et bah justement, ça sera plus facile à retrouver. Et le dernier truc, c'est que avant que tout le monde parte, je vais regarder sur mon bureau si j'ai pas des notifications, si José a pas été identifié quelque part. Non, c'est jamais. Rien. Peanuts. Il doit être mort, le con. Ou sinon, il est caché dans les... Enfin, pas les Badlands, mais les... Le truc... Attends. Alors, moi, je commence à faire mon dossier pour avoir mon putain de mandat pour récupérer pour voir la vidéo de la box. Mais ça, pendant que... Parce qu'en fait, moi, je reste pour faire l'interrogatoire et faire mes papiers, en fait. Alors, d'abord, on va faire l'interrogatoire, après les papiers. Donc, on va commencer par l'interrogatoire. Donc, c'est qui est à l'interrogatoire? C'est moi. Ok. Est-ce qu'on sait à peu près comment le prendre? Dany nous dit pas, lui il est plutôt psycho ou... Ouais, est-ce que Dany peut participer ou pas à l'interrogatoire? Parce pas. Je t'avouerai que son perso serait cool quoi, mais... Et en fait, pourquoi Dany peut nous dire quel est le profil du gars? Parce qu'il a beaucoup en psychologie. Bah moi aussi, j'ai 9. C'est un fail. En fait, c'est un truc que je comprends pas, comment on peut avoir 9 dans une caractéristique? Non mais de base t'as 9 en fait. Ouais. Base, ouais, plus elle est faible, mieux c'est. Oui, non mais ce que je veux dire c'est que comment ça se fait que j'ai mis 9 en psychologie, je devrais pas plutôt être à 8? Non, c'est ce que t'as de base en fait en tant que cops. Ouais, non. Tout le monde D'accord. a 9 en psycho en fait. D'abord. Non, si jamais j'ai mis un chiffre, ça veut bien dire que j'avais rajouté un point. Et de base t'as pas 9 non. Attends, je vérifie mais... Non, en psychologie j'ai pas de points moi. Non, personne n'a de points normalement en psycho, donc c'est que tu l'as acheté la compétence. Mais pourquoi j'ai acheté à 9? Ça dépend de ton milieu social, non? Il y a pas... Tu peux pas acheter à 9, ton éducation. Mais si, tu peux acheter. Si, quand t'achètes la compétence, tu l'as à 9, hein, de base. Ah bon? Mais ça veut dire que t'as rien, sinon tu veux pas faire le jet? Si, mais... Bah si, t'as 10. À 9, donc il faut que tu bon, de toute façon, on s'en fout, là. D'accord. Donc, psychologie, il a 6 et perception, il a 2, donc 2 c'est 6 pour la personne qui joue Dany. Vas-y, Obi. Alors, je principe que les joueurs qui sont pas là restent en fait au central, hein, au bureau, faire de la paperasse pour le chef ou compiler. Donc, vous pouvez les utiliser en tant que PNJ au central qui sont pour vous. Ouais, bah ouais, j'ai tenté moi. Lynn va tenter quand même aussi, hein, parce que. Bah moi j'ai tenté aussi à ce moment-là. Hein.
Pa-pa-pa. Comment c'est bien fait. C'est quoi, c'est quoi le jet? C'est psychologie avec perception. Perception, putain, 2 C9, bah ouais, ça va pas gagner. Bah ah, moi j'ai 3 C8, du coup... Ah, regarde. Au moins 1, ouais. Que c'est alors, jeu. Clairement, la politesse pourrait marcher ou la violence. Bon, en gros, parce que moi, si, donc, si je la joue éloquence, ça pourrait marcher, c'est ça que tu veux dire. Non, tu peux jouer éloquence, rhétorique et tout, dans tous les cas, c'est pas ça. C'est la façon dont tu vas le jouer, en fait, ton éloquence. Mais dans tous les cas, il y a son avocat aussi qui est là. Hein. Bon, en fait, attends, juste, je vais discuter avec Lynn avant, je lui dis, honnêtement... Campbell, de toute façon, il a été chargé à mort, c'est lui le donneur d'ordre. Le seul moyen, c'est qu'il faut réussir à les faire cracher un qui est son donneur d'ordre. Ouais. Deux qui est la taupe. Il y a quoi d'autre qui est intéressant. Bah, de toute façon, moi, le truc simple, c'est que ce mec-là, il a pas vraiment d'infos qui nous intéressent. Dans le sens que. Si, son donneur d'ordre, faut l'enquête, faire cracher. Non, mais pour l'enquête, il a pas d'infos. Il peut pas nous permettre de retrouver. José. Et papa, du coup, nous permet de retrouver le tueur. Par contre, il peut nous permettre de trouver la top dans le LAPD, ouais. LAPD et éventuellement nous donner le nom de son donneur d'ordre chez le Cucutor et du coup de prolonger, on va dire, la montée en arrestation et foutre un peu la bagaille dans le Cucutor. Ce qui pourrait nous faire gagner du temps. Ouais. Si, est-ce qu'on sait que c'est la liste du Cucutor qui cherchait, hein. On est sûr à 100%. Oui. Oui, ça, moi, je... Bah, de toute façon, vous avez un témoignage, pour le coup. Non, c'est qui est le donneur d'ordre et qui est la taupe. Bah, moi, l'idée, c'est que... Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est lui proposer un deal, c'est que... On peut, effectivement... Alors, je sais pas si on a le droit à un truc de proposer ça directement. Porte. Ouais, bah, Excusez-moi, oui. Le client souhaite vous parler. Bah, on y va, hein. Écoute. Mais comment elle sait où on est, elle, hein? Parce que vous étiez à côté de la fenêtre sans truc. Il a juste fait le tour pour voir s'il y avait quelqu'un. Il vous a vu, donc il a frappé à la porte. Okay. Dans tous les cas, le client veut se mettre à table. D'accord. Bon bah, je vais plutôt l'éloquence à ce moment-là. On va plutôt jouer la partie... Vas-y, joue la cool, ouais. Joue la cool, le poli. Mon client veut faire amende honorable et il se sent extrêmement touché par ce qui s'est passé et il veut vous dire tout ce qu'il sait. Bon, on va l'écouter. Bullshit. Enfin, faut voir comment on fera sorte qu'il vienne nous dire ce qu'il sait. Donc, monsieur Sean Campbell est devant vous. Bon, je sais pas comment dire ça, mais j'avoue que depuis le cambriolage sur les locaux de WP88 et le fait que ma société a été carrément complètement impliquée dans la non-action, je me suis dit qu'il fallait que je rattrape le coup, et donc j'ai tout fait pour essayer de... d'attraper tous ceux qui étaient en lien avec l'affaire. Et donc dès que j'ai eu des noms, j'avoue que j'ai envoyé des hommes à moi pas très subtils récupérer ça. J'espérais en rentrer dans les grâces du Ku Klux Klan et continuer à les servir. Donc j'avoue, j'ai travaillé de mon propre chef à ça. Et j'en suis pas fier. Alors moi, je dis mais... Juste une question. On l'a inculpé de quoi pour... Non mais on l'a inculpé... C'est au MJ que je parle. Hein. Ah, on l'a inculpé de quoi pour l'instant? On l'a inculpé pour la torture. Enlèvement, séquestration, torture. C'est ça, d'accord. C'est... Parce que moi, je vais t'avouer, Eric, que mon objectif, c'est quand même de lui inculper le meurtre de son employé. Ou la complicité, du moins. Mais, attendu, hein. Ça peut être taquin, mais à mon avis, il y a moyen. Non, moi, déjà, je pensais dire, mais monsieur Campbell, vous vous rendez bien compte que là, donc, on a des témoignages, on a tout ce qu'il faut, qui nous dit que, en gros, c'est vous. Il te dit, je suis coupable.
Je sais que vous pouvez reconnaître les faits. Si, c'est de la loyauté ou de la terreur vis-à-vis de votre réel donneur d'ordre. Non, là, la machine à what the fuck est en train de passer dans le rouge. Ouais, je suis d'accord. Il est en train de protéger quelqu'un, c'est évident. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Non, donc là, il va falloir faire craquer, mon petit bonhomme. Il y a son avocat à côté, hein. Mais moi, je ne suis pas là, donc... Voilà. Est-ce que Maître Tartampion est votre avocat ou l'avocat du clan, monsieur... C'est mon avocat, je le paye avec mes sous. Mais c'est pas lui qui va aller dans une prison. Avec des grands noirs qui font tomber des savonnettes et qui ont un manque sexuel notoire. Mais vous savez, je suis prêt à endurer la prison pour les péchés que j'ai commis. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis rendu sans résistance. Et je dis, c'est pour ça que... Je reconnais les faits pour lesquels vous m'avez inculpé. Et moi je lui dis, mais les faits... Et je suis prêt à faire de la prison. Pour ça. Parce que ça vous protégerait d'avoir le même sort que le pantin qu'il y avait dans votre jardin. Alors il te dit, techniquement, je risque quand même la chaise électrique. Hein. C'est vrai. Y a la peine de mort en Californie? Ouais. Dans Cops, oui. J'ai envie de dire... C'est une autre façon de griller. C'est pas là. Mais Oui, je sais, mais c'était juste pour la connerie. Et que pensez-vous de, comment dire... des vacances dorées à Hawaï et offrir des services de protection des témoins. Ça vous intéresse pas ? Je comprends pas ce que vous voulez dire par là. Bah, disons que si vous nous donnez le nom de la personne qui vous a donné les infos depuis le LAPD, nous... Ah mais vous les avez il te regarde, droit dans les yeux, il fait « Écoutez, je suis prêt à donner le nom de la personne qui m'a renseigné sur votre enquête. Comme prof de ma bonne foi. » Bah, déjà, on va prendre ce nom, effectivement, c'est une bonne chose. Maintenant, la deuxième... Ah non, il te l'a pas encore donné. Oui, non, mais moi, je lui dis. Je lui dis, voilà, effectivement, c'est... Un premier pas. C'est un premier pas, et le deuxième serait de nous donner le donneur d'ordre qui vous a incité auprès du... Enfin, le donneur d'ordre chez le Ku Klux Klan qui vous a incité à aller enquêter... là-dessus. Ah mais c'est de mon propre chef, hein. J'avoue avoir perdu les pédales et la raison après avoir perdu le contrat. Faut dire c'est quand même le seul contrat de ma boîte. Hein. Totalement hors jeu, mon petit Toby, n'oublie pas que si on retrouve José et que José, on trouve le tueur et que le tueur est lié au chef du Ku Klux Klan, tout ce qu'il dit c'est en fait faux et dans ce cas-là... Je suis d'accord. Et donc, il risque beaucoup plus, là. Effectivement, c'est... Vous vous rendez compte que ce que vous dites est enregistré et que c'est noté dans le dossier, que si vous... Ah mais complètement, mentez, je fais mes aveux. Et qu'on a la preuve que vous mentez, vous allez prendre cher, mais très vous savez, cher. On a la preuve aussi que vous savez qu'il y a une taupe dans le LAPD et que vous avez quand même intérêt à donner notre nom aussi un jour. Ah mais je vous ai dit que j'allais vous donner son nom. Moi, ce que je fais, c'est pour vous. Je pense que vous êtes. Je pense que vous êtes un chef d'entreprise honnête, qui essaye de monter sa petite affaire. Vous avez des difficultés, certes. Vous. Non. Mais je joue gentil. Voilà. Ouais. Vous avez des petits problèmes, et vous avez vu que la perte du marché avec le Ku Klux Klan allait vous mettre sur la paille ou en des grosses difficultés. Et donc, vous avez accepté. D'être un peu plus virulent sous les conseils du Ku Klux Klan pour retrouver quelqu'un qui a la liste des noms du membre des Ku Klux Klan, n'est-ce pas? Alors c'est vrai qu'on recherchait la liste, mais pour le coup, vous savez, je suis membre moi-même du Ku Klux Klan. Hein. Oui, alors moi justement je lui dis, mais vous vous rendez bien compte, mais ça je vais faire plutôt vous... Et je pense que alors qu'il est, je suis radié d'ailleurs, des membres du Ku Klux Klan. Oui, enfin, excusez-moi, mais vos hommes ont l'air aguerris avec ces techniques d'interrogatoire. Vous allez pas faire croire que c'est cette fois-ci que vous avez pété les plombs. Vous avez autre chose contre moi? Parce que pour le coup, à part ça... Non, c'est votre discours qui tient pas la route là-dessus, pour le coup. Je dis poliment, évidemment. Moi, j'essaie juste de vous dire la vérité. Hein. Vous savez, sur cette affaire, nous sommes 5 cops.
Il y en a trois devant vous. Les deux autres sont actuellement en train d'aller chercher José. Je donne le nom de famille, je sais pas comment il s'appelle. Reinhardt. Et il se trouve que si Reinhardt aura peut-être un témoignage qui contredira le vôtre. Ouais, il te regarde bizarrement. Non, il comprend pas d'où tu veux en venir. Tu lis l'incrédulité dans ses yeux. Laisse-moi. Non, parce que. Attends, le truc, c'est que je pense qu'il connaît pas José. Enfin, il connaît pas le mec qu'on cherche. Appuie où ça fait mal. Dis-lui que oui, il est incrédule parce que son patron lui a pas tout dit, en fait. Il est en train de le planter. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais. Comment dire, la personne que vous avez séquestrée, que vos hommes ont séquestrée. Et la petite amie de cet homme. Peut-être, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Hein. C'est les chefs du calpation. Ah c'est le problème, c'est que eux m'ont dit que vous saviez exactement ce qu'ils ont fait et que c'est même vous qui avez donné les ordres précisément. Et c'est pour ça que je pense que les ordres. Bah, si ils l'ont dit, c'est que ça doit être vrai. Bien entendu. Oui. Vous sentez un peu la mauvaise foi dans vos paroles, monsieur? Non, ça va. Allez, c'est parti. Tu sens la mauvaise foi qui pointe le bout de son nez. Vu que ça commence à sentir bien la mauvaise foi, on va faire partir les jets d'interrogatoire. Ouais, tu as 4C6. Attends, j'essaie d'attraper le bouquin pour pas me tromper. Et t'as combien en interrogatoire, 7? J'ai 4 et j'ai 6 en éloquence. Hein. C'est pour ça que si jamais je peux utiliser un peu l'éloquence, je le fais parce que je suis quand même pas mauvais là-dedans. Mais sur tous les jets d'interrogatoire, tu peux utiliser ce que t'as envie en fait. T'as la compétence. Par exemple, conduite, comme j'ai dit, je fous le mec dans la bagnole. T'as la compétence d'interrogatoire qui peut être intimidation, rhétorique et charme là. Voilà, mais après tu peux choisir la façon dont tu interroges. Ah bah oui, bah, donc c'est éducation ou charme, mais là j'avais pas charmé. Ouais. Soit t'es gentil, poli, soit agressif, et donc du coup intimidation agressif, c'est le combo un peu très violent, mais tu peux le faire aussi tout l'inverse, tu peux être éloquent et agressif quoi. Ouais, j'étais un peu agressif là, je t'avoue, à un moment donné, hein, quand tu fais ton gentil flic. La question c'est clairement, d'abord Sib, sur la suite de l'interrogatoire, tu prends quelle posture? Agressif, inquisiteur, froid détaché, poli, amical? Froid détaché, je pense, c'est comme ça. Froid détaché, ok, et donc tu me fais, donc je compte sur 0 pour le coup, froid détaché, ça va pas faire de malus ni de bonus. Donc c'est en éloquence, donc c'est éloquence charme de toute façon. Ok, 4C6. 3. Alors, l'aide de compétence est difficulté normalement. Le seuil du jet de résistance sera 6, moins l'éventuel bonus. Donc c'est 6. Attends, je comprends pas. C'est le jet de résistance. Ok. Alors, 3 réussites, je vais faire son jet de résistance en charme, donc. Éloquence. Non, lui c'est pas éloquence, c'est sur 6 de toute façon. Parce que c'est un jet de résistance. Et ben voilà. Ok, Obi. Oui. Vas-y, achève-le. Ah. Moi, du coup, je vais faire... Alors, c'est quoi les postures de trucs? Parce que moi, je vais faire en intimidation. Il y a de l'agressif, inquisiteur, froid et détaché, poli, amical. Bah, agressif, alors. Poli. Poli, ouais. Okay. Agression, poli. Tu vas faire le petit poney? Ouais, poli pocket. Donc, c'est en quoi tu te fais, toi, intimidation? C'est intimidation, sur ouais. Ouais. Interrogatoire, je trouve mon truc. Donc moi c'est sur sang froid, donc j'ai 4. Et après, intimidation, j'ai 6. Voilà. Sachant que... On avait dit tout à l'heure que ça... Ça va. Ouais. Popo, j'en ai fait 4 de succès. Ouhou. C'est beau ça. Que j'ai un stage en interrogatoire qui me donne... permet de relancer un échec. Donc je pense que là, vous l'avez bien cuisiné, là, le petit. Alors, pour faire simple, en fait, l'interrogatoire pour vous se passe plutôt bien en soi, parce que vous arrivez à le mener là où vous voulez, sauf que, en fait, à chaque fois que, à aucun moment, il implique le Ku Klux Klan. À chaque fois, il dit, ça vient de moi, ça vient de moi.
clairement, vous pouvez vous poser des questions sur le rôle de l'avocat dans cette affaire, parce qu'à aucun moment il l'a défendu. Hein. Oui. Ouais. Il le laisse parler, il le laisse mettre les trucs à charge. Dire, le mec, je sais pas combien il est payé, mais beaucoup trop cher. Hein. si vous voulez, on peut vous donner un avocat. Je pense qu'il a fait juste passer le message disant que... Hein ouais, disant que sa femme et ses enfants risqueraient d'en pâtir si jamais il disait pas que c'était lui, quoi, un genre de truc comme ça. Attends, du coup, là, dans la pièce, en fait, il y a deux cousins germains, en fait, là. Je pars du principe que la miss est restée derrière la vitre centrale, enfin, Dany, je veux dire. Dany est resté derrière la vitre, pour pas avoir à confronter son cousin. D'accord. Et pour éviter aussi, peut-être, un vice de procédure ou une connerie du genre. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de l'avocat ? On a parlé de foot dehors. Ah bah non, clairement pas. Non. Non mais par contre, l'avocat a dû menacer ou faire un truc, mais un truc fort du style si tu prends pas tout sur toi, c'est ta famille qui va cramer comme le mannequin, quoi, un genre de truc comme ça. Oui, ouais. Bah oui, c'est un truc dans le genre. Mais par contre. Mais s'il y a des questions que vous avez pas posées avant et que vous voulez poser pendant l'interrogatoire, c'est le moment. La question, c'est est-ce que on peut le coffrer, dire très bien, on accepte. Ah bah de toute façon, trucs. Là, en état... Ah oui, il y a des aveux complets, là. Entre donc, ces aveux, les témoignages, le tout, un, tu le coffres, deux, tu coffres tous ses potes qui étaient dans la pièce, ce qui est d'ailleurs déjà fait, normalement. Il y a de fortes chances que, d'ailleurs, eux, ils passent directement en comparution immédiate. Lui, peut-être pas, mais ça, il va partir en procès. L'avocat, je sais pas comment. Moi, la question, c'est ce que je veux faire, c'est le coffrer, le mettre au frais pendant quelques jours, et revenir à la charge en quelques jours, essayer de le faire quand son avocat est pas là, aller lui faire gentiment, hein, pas forcément un interrogatoire en vrai, dans les règles de l'art, et juste lui parler, et lui dire que s'il a pas envie d'en prendre pour 20, 30 ans de prison, il peut nous convoquer. Ah, mais c'est au-delà de ça. Si on a menacé sa famille, il s'en foutra, il crèvera même. Il va falloir que tu négocies avec le proc pour organiser ce genre de truc, parce que sinon c'est juste du flan ce que tu vas lui raconter. Oui. Mais l'idée, c'est que derrière, moi, ce que je peux faire, c'est lui vendre, lui proposer un deal. Voilà, un deal comme il faut, avec protection de sa famille, etc. quoi. Mais le faire plus tard. Là, on le coffre. Est-ce qu'il nous révèle le nom du flic qui lui a donné les contacts À la fin, toute fin de l'interrogatoire, ouais, il vous donne son nom. C'est un gars qui travaille pour la métropolitaine, donc en gros, c'est un flic de base qui a priori doit avoir ses accès chez les anges. Il n'y a pas moyen de... Ouais, on ne peut pas faire sortir l'avocat, c'est pas possible. Et clairement, en consultant rapidement le dossier, le gars, il est déjà tagué par le SAD en tant que policier violent et avec des propos racistes et potentiellement proche de mouvements néo-nazis. Oui. Et clairement, a priori, le SAD n'attend qu'une seule chose, c'est lui tomber sur le coin de la face. On lui a donné les moyens. Non, mais par contre, il faut que vous voyez le procureur pour essayer d'avoir un truc à part, en effet. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est Rick qui peut s'en charger, ça. Ouais. De toute façon, moi, je vais voir le proc pour deux choses. Une chose simple, c'est pour pouvoir aller voir les bandes, là. Et deuxième point, c'est... C'est demander un... En même temps, je pense que le mannequin qui a brûlé devant chez lui, c'est un bon signe pour lui dire de faire sa gueule. Oui, c'est une menace. Hein. Mmh. Pour moi, j'ai pris comme ça. Si on dit, le prochain, ça sera pas un mannequin, ça sera ta famille. À mon avis, ça le calme d'office. Hein. Ouais. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave, parce que c'est pas le Kukuchlan qui a tué les mecs. C'est Kukuchlan, ils veulent non, arrêter. Non, mais par contre, si tu peux dire que c'est le chef du Kukuchlan qui a ordonné à ce que la nana soit enlevée et torturée, là, ça serait un beau truc. Pour l'instant, mais je pense que la pierre angulaire de tout ça, c'est Sean. Il faut trouver un moyen de le mettre en confiance et qu'il balance le truc. Et dès qu'il balance, t'as un témoin à charge contre le chef du Ku Klux Klan et c'est tout bonus. Okay. Oui, donc, mais je pense qu'on pourra. Je passe sur les deux autres. Ouais, vas-y. Un peu. D'abord, monsieur Guillermo. Bah, Guillermo, donc, il retourne à l'adresse de la petite amie de José.
Non, non, elle est à l'hôpital. Ah oui, elle est au sto, c'est vrai, elle est à l'hosto. Elle a pris la place de ta soeur. Non. Fini. Alors, si elle est dans le même hosto, la pauvre, elle a sacrément morflé. Non, non, dans ce cas-là, je vais la voir à l'hosto pour... je lui demande si elle a eu des nouvelles de José, on sait jamais. Bah, écoute, elle te dit non. Clairement, non, pas de nouvelles. Elle est sans nouvelles. Alors, je lui redis clairement que José, il est dans une merde, mais alors, plus noir que ça, on fait pas. Et que si vraiment elle a des informations, c'est, ou si c'est elle la a un contact noire. Avec elle, il faut impérativement qu'elle nous contacte. Sinon, on craint vraiment pour sa vie, quoi. Pour le coup, elle te dit, clairement qu'elle veut vous aider, mais elle a pas plus que ce qu'elle vous a dit hier, hein. Elle te redit en fait à peu près la même chose que l'avait dit. Si jamais, quand il a dit qu'il faisait son coup, il n'a pas donné un moyen de le contacter ou lui de vous contacter. Il m'a dit on se revoit dans 2 jours chez moi et que je suis venu et c'était vous. D'accord. Ok, donc bon, de toute façon, je lui laisse nos numéros de téléphone qu'elle appelle en direct au cas où, etc. Surtout qu'elle n'hésite pas. Et que ah mais je pense qu'on va faire surveiller chose, son téléphone. Hein. On sait que même s'il a trempé dans une affaire louche, c'est rien par rapport à ce qui peut lui arriver parce qu'il y a quand même une histoire de meurtre dans le lot. Donc mieux vaut qu'il se prenne quelques petites tapes sur les doigts et qu'il s'en sorte plutôt que un tueur lui tombe dessus et le réduise à zéro. À part lui foutre les jetons là, elle peut pas faire grand chose de plus. C'est un peu le truc pour qu'elle comprenne bien que si jamais le moindre truc, il faut absolument qu'elle nous contacte. Bah, elle a l'air convaincue. Hein, bon, ok. Et elle a l'air aussi complètement désespérée. Hein. Elle a un peu été torturée à cause de ça. Hein. Oui, bon. On fait ce qu'on peut. Alors, deuxième truc, je suis quand même repassé par la maison de José. Au cas où il y aura un truc qui m'aurait échappé. Une croix plantée avec José qui brûle. Non. Ah bon, l'avait pas vu, merde. Putain, j'avais pas vu. C'est vrai que j'avais loupé un truc. Moi, je vais te dire de venir me chercher quand l'interrogatoire sera fini. Bah, pour l'instant, il est encore en cours. Et je vais passer à... Merci. C'est quoi déjà ton... Denis. Non. Non, Denis. Denis, ouais, parce que Denis. Denis, voilà ça, Denis. Donc, ouais. Denis, qu'est-ce que tu fais? Un peu maritime. C'était Denis. C'est Brice. Bah, je prends la mallette, je prends la bagnole, j'y vais. C'est moche. Alors, t'arrives sur place. Ouais. Du coup, vu que dans le bâtiment, il y a une scène de crime... Crime. Oui, t'as mais une j'ai... scène de crime devant le bâtiment, où il y a une grosse tache de sang. Ouais. Et t'as une scène de crime en haut. Quand t'arrives, en fait... Il y a du verre brisé. Quand t'arrives, surtout, on te dit en bas, non, on a nettoyé, parce que... fallait nettoyer. Ok. Ils te regardent, les flics, genre, pourquoi? Où est le problème? Quand... Tu vas passer la nuit au poste. Quand il y a une scène de crime, on ne touche à rien. Absolument. Ah oui, mais on a entendu. T'as dit c'est bon, vous pouvez nettoyer. C'est les anges qui ont dit ça. Donc nous, on a fait c'est bon, on nettoie. Donc on a nettoyé celle du bas. On n'a pas encore fait celle du haut, mais on y allait. Oui, non. vous bougez pas vos fesses de là. Vous bloquez la rue comme elle est bloquée là actuellement. Et c'est tout. Enfin, ils ont plus besoin de bloquer la rue, hein, techniquement. Et le vous mec. Bloquez cette putain de rue. Juste demande l'identité de la victime, hein, parce que bon, si c'est ouais, osé. C'est la victime, et fouille-le. Voilà. Et il est où le corps? Le corps, il a été envoyé au central. Les anges. Allô? Oui, bonjour. Vous avez le nom du corps, au fait, au passage? Le nom de corps de qui? De quoi? Non, je parle pas. Excusez-moi, les anges. Je parle à deux troufions là devant moi. Le nom de la personne qui est décédée, vous l'avez? Alors, il avait pas ses papiers sur lui et il n'était pas réellement identifiable en état. Bon, les anges, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me mettre de côté le corps qui est tombé du 10e étage à telle adresse? Alors, 2 secondes, on se renseigne. Normalement, il doit être arrivé à la morgue. Il attend. Il est tagué sur votre affaire, donc pas de soucis.
D'accord, bon, c'est très bien. Je préfère demander parce que vu la grosse connerie qui vient d'être faite. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bon, j'ai plus rien à identifier sur la rue, mais j'ai. Ouais, bah y'a. Y'a une marque par terre, youpi. Non, c'est dans la. Non, y'a du sable si là, le... par terre. Ah, y'a du sable. Façon, ouais, si le mec est tombé du 10ème étage, bon. Voilà. Oui, ça va être ça une bouillie. Que t'auras pas grand chose à faire de toute façon ici, hein. Il a pas ramassé le corps. Ouais. Bon. Vous ne touchez pas au dixième, vous restez là. Ah oui, au fait, on a ces deux personnes qui ont vu la personne tomber. D'accord. Donc c'est, vas-y, description bon, ouais. De un homme, une femme, deux ouais, hommes. Enfin, un homme, une femme, businessman. A priori, ça s'est passé vers 19h. Et ils sont bloqués là depuis 19h. Bon. Et ça a l'air de bien, bien les faire chier. Je vais m'occuper d'eux en priorité, comme ça, ça... Voilà. Suivez-moi. On monte alors, ou... Pour nettoyer ? Bah oui. Non. Vous montrez pour nettoyer que quand je vous le dirai. C'est soupir. A priori, ça les fait chier de rester là. Hein. Eh ben. Allez. Bref. À plus tard. Bon, je vais voir monsieur dame. Bonjour. Bonjour, je suis le détective Akilian, chargé de l'enquête, et donc du coup, je viens chercher vos témoignages. Bah, en fait, on a entendu un cri et on a vu un gars tomber, s'éclater. Depuis, il te montre l'étage, ça va être le 10ème, là. Oui, là où il y a la fenêtre pétée. Non, la fenêtre ouverte. Ah, la fenêtre ouverte, ouais. Et il crie, en tombant, la nana dit « Je suis sûr qu'il criait connard !» D'accord, donc potentiellement nous pouvons chercher un homme, ou sinon il était au téléphone avec cette personne. Allô, connard ? Non, mais voilà, on sait jamais. D'accord, bon. Et donc, est-ce que vous connaissiez la victime ? Non. C'est-à-dire que le mec, il sait qu'il va mourir, mais il insulte quand même son tueur. Avant de crier, quoi, avant de crier, Non, non, je pense savoir c'est quoi. Donc, voilà, bon. Ben, je vous remercie pour l'aide apportée. Ça va pouvoir m'aider à avancer. Et puis, de toute façon, vu que vous l'avez identité que quand même. Hein. Voilà, je vais juste, voilà, ouais, je vais juste prendre vos noms et... Alors. Est-ce que je vous donne les noms ou pas? Parce que pour le coup, c'est juste des témoins visuels. C'est ça, c'est juste des témoins visuels qui ont vu un mec tomber et s'éclater comme une grosse merde. Pour la procédure, t'as les noms. Par contre, je vais te les sortir. Oui, oui, oui. Y a pas de problème. John Sight et Marguerite Vision. Voilà, t'as deux noms. Marguerite Vision. J'aime bien. Donc bref. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Et puis, vous pouvez disposer et rentrer chez vous. Vaquez à vos occupations. Merci. Ils s'en vont. Ouais. Bon, je monte au 10ème. T'arrives au 10ème. Première chose qui te choque, c'est le. Bah, en fait, le 10ème, en fait, il n'y a pas de bureau. Enfin, il y a les cloisons, mais tout est à construire. Enfin, il n'y a pas les bureaux, il n'y a pas les trucs. A priori, l'étage est vide. Quoi. T'as regardé le nom du bâtiment par hasard ou moins? Il n'y a pas de nom, par contre, en bas, il y avait plusieurs sociétés qui occupent plusieurs étages. Ouais, et celle du 10ème doit pas y en avoir. C'est pas là. Fou pour se planquer, exactement. Ce genre de truc. Salut, hein, je suis fort, hein. Je suis un vrai policier, hein. Oui, ou ouais. Pour déménager un nouveau service du Cucuslamp. Oh, ouais. Ils sont partout. Ouais. Bref, est-ce que du coup, vu que c'est vide. Quelques policiers qui sont. Il y a un policier et des mecs de la crime qui sont là en train de relever tout ce qui est indice au sol, etc. Donc sinon, scène de crime. Ouais, bon, je vais faire. Attends, c'est quoi? C'est perception scène de crime, hein? Ouais, plus plat, parce que pour le coup. C'est des pièces vides, c'est pas trop dérangeant, hein, ça va pas être du sang-froid. C'est ça. Enfin, sauf ouais. Si. Si t'es agoraphobe, je sais pas. Ou claustro. Joli. Ah, j'ai pas vu le jet. Pop, pop, pop.
Ouais. Ah ouais, quand même, ouais, là, alors là... Bah au moins, ça n'a pas duré trop longtemps. Bon, bah voilà, l'affaire est résolue. Non, mais sincèrement, je pense savoir ce qui... Un peu, le alors, truc. Clairement, il y a des empreintes sur la vitre, il y a des empreintes. Ouais. Alors, au moins deux ou trois jeux d'empreintes. Ah. Là, c'est différent de ce que je pensais. Il y a des traces de sang au sol qui sont déjà prélevées. Donc de la lutte. Très bien. Et des cheveux. Bah, je prélève donc aussi. Un coiffeur. Donc un coiffeur. Pour le coup, en dehors de ça. Est-ce qu'il y a des affaires, quelque chose? Non, rien. Attends, tu une lettre. Ouais, pour faire passer ça pour un suicide. C'est marqué je regrette tout ce que j'ai fait. Et c'est tout ce qui est. Et rien de plus. Ouais. Ça c'est ridicule, hein. Ouais, ouais, je le cache pas. Très bien, les jeux d'empreintes, vous me les identifiez en priorité. C'est le tueur qui regrette d'avoir jeté le mec, hein. C'est ça. C'est bien le truc. Mais bon. Pour le coup, de toute façon, bah t'auras le rapport quand il sera prêt, hein. Je rappelle que pour tout ce qui est empreinte, bah c'est faut que tu ailles faire le, ils sont mis dans un, comment ça, dans un logiciel et c'est recherché c'est par, ouais. par comment ça s'appelle, priorité. C'est-à-dire d'abord ça va être les 10 criminels les plus recherchés, puis ça va descendre, en fait ça va descendre par palier par, de dangerosité, ouais, d'accord. Jusqu'à arriver bon, bah, au plus bas. Et ça peut. Genre durer, on n'a pas une ferme de calcul pour faire ça quoi. Et ça peut durer. Au moins 24 heures. Ouais. Enfin, plus des fois. Bon. Les cheveux pour analyse. Savoir si c'est un homme ou une femme, en gros, hein, de toute façon. Mais je pense que ça va être des hommes. Pareil, ils te disent ça va prendre quelques heures. Peut-être plus. Très bien. Ça fait pas partie de dossier prioritaire dans le sens où il n'y a pas danger pour. Autrui en dehors de ce qui vient de se passer, quoi. Ouais, donc c'est la victime, surtout un jour, quand même. Et ça, c'est. Oui, bah ça sera avec les empreintes, hein, je peux pas faire autrement. Non, tu peux aller voir le cadavre, hein. Oui, je peux aller voir le cadavre. L'ADN. L'ADN du sang. La puce dans le tas de. S'il en reste voilà. Quelque chose. Ouais, s'il en reste quelque chose, à mon avis, dans tout c'est le pas cas, va falloir attendre les rapports des divers services, là, à ce niveau-là. Y a pas grand-chose d'autre à noter dans le. Bah, à cet endroit-là, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Pas une affaire, il n'y a pas une mallette, quelque chose caché ou autre, quoi. Non, clairement pas. D'accord. Bon. Bon, bah, je vais à la morgue. Je regarde la crime. Vous avez fini ici, de toute façon. Bah, nous, on cherche encore si on voit quelques trucs, mais normalement, y a pas grand. On a récupéré les cheveux, le sang, les empreintes aussi, hein, donc. Bah, on a tous les éléments, logiquement. Bah, normalement, oui. Après, c'est vous qui êtes le chef sur le truc, donc... Puis c'est les experts qui sont là, donc après, c'est toi qui choisis quand tu fermes la scène. À moins qu'il y ait quelque chose que vous ayez remarqué qu'on doit prélever en plus... Bah, j'ai remarqué quelque chose de plus... Prends la moquette. Faut faire une collection. C'est pour une amie. Ah non, y a pas besoin... On lève la scène, hein, parce que de toute façon, y a rien de plus. Comment je les appelle, les deux d'en bas, là ? Pipo et Molo ? Au fait, moi, je vais communiquer le nom que nous a donné... Quoique, non, ça, c'est con. T'as pas envie de vous envoyer un email ? Si, je vais vous envoyer sur votre téléphone perso. Ouais, ouais, sur votre téléphone... Sur mon téléphone, je vous envoie le nom du flic qui nous a balancé. D'accord. Même si comme ça serait rigolo, non, il fait pas partie des deux qui sont en bas. Hein. Voilà. Ouais. On sait jamais si c'était l'un des deux. Mais tu mets le nom du flic et vu que t'as vu rapidement son dossier, son numéro de badge aussi. Hein, parce que c'est marqué le numéro de badge, le nom. Hein. Sinon, moi, juste pendant que je suis en train de descendre à la radio, je fais « Hey, Pipo et Molo !» Alors là, t'as un silence radio. Non, mais les deux qui étaient en bas, là, qui ont nettoyé la scène alors que j'étais pas encore là. Vous pouvez nettoyer la scène d'en haut. C'est bon, on peut nettoyer la scène d'en haut ?
Oui. Moi, je les aurais appelés Monsieur Propre et je sais pas quoi. Mais... Et Francis. Et la tornade blanche. Ouais. Et la tornade blanche. Ou Ajax et Monsieur Propre. C'est ça, ouais. Ajax et Monsieur Propre. Bon, quand tu arrives en bas, ils sont en train de monter et ils sont en train de s'engueuler. Je t'avais dit qu'il fallait pas le faire. Si, c'est ta faute. C'est toi qui as pris la décision. Mais non, c'est toi. Et ils continuent à monter en train de s'engueuler, les deux. Oh. Super, alors je te propose de les appeler Eric et Ramzy. Ah non, parce que je pense que ça irait vachement bien. Non, moi je les regarde s'engueuler, je les interpelle, je fais. Oh, oui, chef. On se calme. Vous êtes tous les deux fautifs. Il n'y en a pas l'un ou l'autre. On laisse être refus, vous êtes des tous cons, les hein. deux fautifs. Bah, ils prennent l'ascenseur et au moment où le truc se ferme, t'en vois qu'ils foutent une tarte à l'autre. Ah, Eric et Ramzy, hein. Bah, Pipo et Molo. On remonte au 10ème étage, tu vas avoir une seconde scène de crime à identifier, je crois. Non, mais c'est bon, Pipo et Molo, ça va très bien aussi, hein, quand même. Bref. Bon, bah, tu peux les appeler Réchaud et Frigo. Hein. Bon, bah, je vais à la morgue. Ok, pendant ce temps-là, on rentre sur. Comment ça s'appelle ? L'interrogatoire. Ouais. Donc, oui. Tu vas me faire tes jets de bureaucratie. Ouais. Pour chacune merci. Des. Alors, des demandes. Bah, la première demande, quand même, parce que celle qui est la plus simple, c'est d'avoir mon mandat pour regarder la box de la vie, enfin la vidéo ouais, de la bah, box. Bureaucratie, charme. Ok, 4, 6. Ouais. C'est de la procédure interne ou pas hein. Bah tu vas voir le sous-proc pour lui expliquer, ouais. donc c'est lui, c'est de l'interne. C'est du personnel interne, donc c'est plus 1. C'est quoi, c'est plus 1D hein. Oui, plus 1D. Ok, donc j'ai 5D6. Si je vérifie pas, là... Non, je sais pas... 5, c'est 6... 3. Pas de soucis, tu l'as. Ok, et alors le deuxième truc, c'est... Voir si on peut aussi lui demander si on peut faire un arrangement... Pour avoir une protection de témoins et de famille pour le alors, mec. Ça, on va voir. C'est quoi la troisième demande? On fera la demande compliquée en dernier. Il y avait deux demandes à faire là? Bah, je sais pas, t'avais trois trucs, tu m'as dit. Non, j'en ai que deux. Non, deux. Bon, tout simplement deux. Bon bah, vas-y. Attends, donc, là, je me concerte avec Lynn pour faire le dossier parce que pour le coup. Alors, le dossier, c'est pas un problème, ça va être surtout de le convaincre en fait, hein, le gars. Alors, vas-y, voilà. Nous, attends, il faut que je lui donne un nom à votre okay. Procureur. Ouais. Alors, déjà, est-ce que le procureur est latino ou noir? Parce qu'à mon avis, tu le convaincras vachement plus facilement d'inculper le mec du cul. Ça va être déterminé au hasard, pour le coup. Alors, homme ou femme aléatoire, américain, États-Unis, ouais, option avancée. Eh, sachant qu'en 2030, les blancs sont minoritaires. Hein. Ouais, mais ils sont ouais. toujours aussi cons. Eh ouais. Ouais. Mais peut-être pas en République de Californie. Allez, généré. Donc, Michael S. Irlande. Ah oh, putain, c'est pas un noir. Ça, il est roux. Hein. Il est roux. Il est roux, ça suffit, logiquement, non? Il fait partie du Ku Klux Klan, Michael... le S... Je sais pas, parce que c'est pas super protestant, le Ku Klux Klan. Et exactement, il est pas roux, il est rouge. A priori, c'est un natif. Ça va bien. Ah bah c'est bon, alors. Ouais. Alors j'arrive, je lui dis Hugues. Bah, ouais. Et c'est un échec critique d'avoir convaincu le sous-procureur. Il s'appelle pas Hugues, il s'appelle Michael, bordel. Ça rien à voir. Voilà, bon. Bon, alors expliquez-moi ça. Alors, en fait, voilà. Pour faire simple, donc là on est sur quand même une affaire très importante. Ah non, mais on il est a lu ton affaire. Canal, hein. Bon, il s'avère que notre témoin principal, qui sait qui sont les réels donneurs d'ordre qui ont donné la séquestration, sachant que de base sur son témoignage, clairement, il y a que lui qui serait le donneur d'ordre. Hein. Ouais, mais on sait tous que c'est faux.
Oui. Oui, alors là, je lui sors des comptes rendus et je lui montre, vous vous rendez pas compte qu'il est prêt à tout balancer et qu'il se braque d'un coup dès qu'on parle de la personne qui serait derrière en train de tirer les ficelles, que quand on est arrivé, il y avait un mannequin qui était en train de brûler et c'était une claire menace, avec visiblement son avocat qui était là surtout pour vérifier qu'il ne dise rien. Ça veut dire clairement que sa famille est menacée et qu'il ne balancera personne. Alors déjà, je dis pas que vous avez tort. Je dis juste que quand même, ce mec est prêt quand même là, à cause de la séquestration et autres. On va dire, s'il tombe sur un juge, on peut presque le mettre sur la chaise électrique, surtout si vous trouvez encore d'autres preuves, pour protéger quelqu'un. C'est quand même pas rien de menacer par la chaise électrique. Bah oui, mais bon, si on menace sa famille, il serait prêt à faire n'importe quoi aussi, donc... Et vous lui avez proposé déjà le deal ou pas encore? Tant que l'avocat était là, on pouvait pas le faire, justement, c'est tout. Oui, mais malheureusement, vous pourrez pas lui proposer si l'avocat est pas là. Ah bah justement, alors la question... Enfin, dis-lui que c'est pas possible de le faire avec l'avocat, donc il faudrait qu'on puisse le faire de manière informelle. Non, l'idée, moi, c'est que... Enfin, ce que j'avais hypothèse, c'est d'aller voir, lui proposer... c'est d'aller lui proposer le deal, mais qu'il ne parle pas. On lui laisse réfléchir, et s'il veut nous recontacter, avec un autre avocat, on trouve un avocat commis d'office, et voilà. On accepte le deal, et Vous voulez lui proposer le deal, qu'il récuse son avocat, et, oui. Et voilà. Oui. Parce que clairement, si son avocat est là, je pense que c'est l'élément qui va le mettre en danger. Que si son avocat maintenant, la question que je peux vous poser, c'est qu'est-ce qui vous dit que si l'avocat il est complice, entre guillemets, s'il est récusé, qu'est-ce qui vous dit que la famille va pas être directement en danger à ce moment-là? Justement, il faut. L'idée, c'est que à partir de protection de témoin. À partir du moment où l'avocat est notifié qu'il est récusé, on a déjà protégé sa famille. C'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est agir avant. Il nous donne son accord, on va dire, on met à l'abri sa famille. Si c'est du flanc, Est-ce que vous avez interrogé sa famille? Non. Ben non, ça s'est passé très vite. Ça. Mais après, sa famille. On peut l'interroger, mais on peut pas l'emmener. Et si on va interroger la famille, les autres vont se douter qu'il va se passer quelque chose. Donc, il faut forcément qu'on puisse intervenir. Oui, je suis pas là. Mais bon, je fais passer les informations. Il faut forcément qu'on appelle avant. C'est clair qu'on peut pas bouger avant que la famille soit mise en sûreté. Voilà. C'est que moi, je pense que on va le voir de temps en temps. Il nous dit oui ou non. Le problème du programme de protection des témoins, c'est que normalement on le fait agir que si on a besoin de garder un témoin capital pour accuser quelqu'un de quelque chose. Là, en gros, la seule chose, imaginons qu'il y ait un commanditaire derrière lui. En gros, les charges qu'il y a contre lui seraient reportées à son commanditaire. Oui. Pour faire simple. Il aurait pas de décharge, hein, mais... Bien sûr. Mais... Attends, est-ce que le procureur n'est pas là pour la manifestation de la vérité dans la justice américaine? C'est ça. Bah, du moins, de la Californie. La question, c'est qu'il réfléchit aussi en termes d'impact. La situation actuelle, c'est que s'il fait de la prison pour ce crime, il va payer pour beaucoup de gens. Celui qui est au-dessus. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi j'essaie de réfléchir à savoir, est-ce que réellement, s'il y a procès, imaginons qu'on arrive avec juste son témoignage à accuser cette personne, moi, s'il y a juste son témoignage, quelle que soit la personne qui soit au-dessus, je suis désolé, ça tiendra pas. Hein. Oui, mais justement, dans ce cas-là, il faut qu'on puisse l'interroger sans qu'il y ait l'avocat et voir ce qu'elle peut nous proposer en plus. Parce qu'en plus de séquestration, torture, etc., il y aura menace, il y aura peut-être d'autres trucs qui vont nous balancer. Mais la question est que on peut tenter le coup. Moi, ce que je demande, c'est qu'on tente le coup à essayer de trouver plus haut. Si on ne trouve pas, on se rabat sur lui, et puis tant pis pour lui. Par contre, il est certain que s'ils l'ont menacé pour qu'il se dénonce tout, et qu'a priori, il a quand même des informations. C'est que la famille est en danger. Par rapport actuellement aux peu d'informations qu'on a, je peux garantir sa sécurité à elle, je peux essayer de voir pour garantir sa sécurité personnelle à lui,
autant garantir la sécurité de sa famille, ça va être beaucoup plus compliqué à faire passer auprès du programme de protection des témoins, quoi. Bon, ben, il reste plus qu'une solution, hein. On les laisse buter la famille, comme ça, ils se vengent. Non, mais si, on peut aller voir la famille, en plus. Ah oui, et nous, on les chauffe sur le fait. Non, mais sérieusement, on peut pas faire ça. Eh, on peut organiser un flag. Alors, on pourrait faire un gros coup de pute, hein. On pourrait dire effectivement que l'avocat est révoqué, on surveille sa famille, on le surveille un peu dans la prison pour pas qu'il se fasse tuer. Et pas les moyens. Mais attends, sinon, tu veux surveiller sa famille, il faudrait qu'on soit deux fois plus nombreux, voire même quatre fois plus nombreux, et qu'on tourne 24-24. Bah, ça dépend, il a 25 frères et sœurs. Déjà, on peut aller interroger la famille, non? Pour voir si jamais ils peuvent pas aller au verre, non? Ou alors, on peut essayer autre chose. On peut essayer autre chose, mais c'est assez couillu. C'est. On pointe direct, voire à la maison de Monsieur Campbell. On parle direct à sa femme et à sa famille. On lui dit qu'on est au courant qu'ils ont été menacés. Il faut qu'elle vienne avec nous pour qu'on les protège. On se casse toute sirène hurlante pour éviter de se faire suivre. Et on bascule après sur une voiture. Non, mais attends, là, c'est. C'est nous qui avons. C'est compliqué ton machin, là. T'inquiète pas, la voiture banalisée, je l'ai. Et c'est le seul moyen de lui dire après que sa famille est en sécurité, quitte à lui passer un coup de fil. C'est-à-dire qu'on appelle quelqu'un. Vu qu'elle sera avec l'un d'entre nous, quelqu'un nous appelle et puis on lui passe sa femme, quoi. Mais je serais partisan déjà, dans un premier temps, d'avoir au moins un mandat pour aller fouiller sa maison. Tu vas avoir une vraie discussion avec sa famille. Le mandat, il te le file tout de suite, le procureur. Oui, le mandat, bon, le mandat. Pas de soucis, hein. Vas-y, hein. Fouiller. Hein. Et discuter avec la famille, déjà. Alors, pose juste une question au procureur. Si on pose la question à sa famille et qu'elle dit qu'elle est clairement menacée, en tant que cops... Ah bah, clairement, si la famille dit qu'elle est clairement menacée, bah à ce moment-là, on va faire venir des flics chez eux pour les protéger. Ce sera pas la protection des témoins, mais vu l'affaire et vu les antécédents du gars, enfin ce qui lui est reproché, oui, là, à ce moment-là, si elle dit clairement qu'elle est menacée, et surtout si elle cite quelqu'un, il y a moyen de les protéger. Mais il faut qu'ils en fassent eux-mêmes la demande. Hein. Ouais, il faudrait qu'on fouille les communications. D'où le fait que je vous ai dit d'aller leur parler. Oui, d'accord, parce que là on a un moyen de pression sur la famille. Je signale que le mec, il risque la chaise électrique. Ouais, mais le procès n'est pas tout de suite, on a peu de temps. C'est le seul moyen qu'a la famille de protéger le père. Après, moi, vu ce que je vois actuellement, en gros, de ce que vous m'avez rapporté de l'interrogatoire, ce que j'ai pu en voir aussi derrière la glace et tout, là, il a tout avoué. En gros, son avocat va jouer la carte de regarder, c'est un repenti, il fait tout pour ce truc, et va essayer de jouer la carte en mode oui, le pauvre, voilà, pour qu'il échappe à la chaise électrique. Et je pense qu'il va 50-50, hein, s'il tombe sur mauvais jury, il est foutu. Ouais, voilà. Mais ça peut passer plus facilement. C'est-à-dire, il a tout fait pour actuellement, il s'est pas opposé à aucune procédure, il a tout fait. Normalement, vous avez accès à sa maison, vous pouvez fouiller ses bureaux. Ses communications, Le son d'avocat est passé, m'a fouillé tout ce qu'il fallait en termes de papiers juridiques pour que vous puissiez avoir des accès à toute son entreprise et tout ça et tous ses biens personnels pour l'enquête. Et ses communications téléphoniques, vous pouvez savoir qui l'a contacté sur la période de faire un portrait de la son téléphone. Donc. Bon courage. Mmh. Et si sa famille dit qu'elle est elle-même menacée, à ce moment-là, on prendra les dispositions qui s'imposent. D'accord. Bon, je suis là, mais je voudrais juste te dire que si jamais on se vautre... User joined your channel. Si jamais on se vautre, la famille passe et on l'aura tous sur la conscience quand même. Hein. Non, on est bien conscient de ce genre de truc si on s'y lance. Ce sont des fistons de connards. Alors... Juste pour comment ça s'appelle Tac. Je vais me chercher Guillermo. Pour Fox qui vient d'arriver. Est-ce que Fox est là, Danny? Ouais. Alors oui, je suis là. Ma connexion a subitement fait un bond de x30, donc je tombe.
Okay. C'est beau. À titre d'info, donc, je fais juste un petit récap très rapide. Ils sont avec, ils ont interrogé Sean Campbell, le patron de Security 3000, qui est impliqué dans toute l'affaire. Je sais pas si t'avais écouté le résumé. Oui, je vois qui c'est, oui. Voilà. Il est défendu par un certain Justin McNamara, avocat. Maître véreux. Et accessoirement ton cousin. Voilà. Accessoirement. Et grosso modo, il prend tout sur lui. C'est de sa faute, c'est lui qui a tout fait, etc. etc. Voilà, etc. le Sean Campbell. Et on se doute bien que, grosso modo, on a menacé sa famille et que on est en train de mettre en place un plan pour essayer de protéger sa famille. Et il faut que ce soit sa famille qui dise qu'elle a été menacée pour qu'on puisse la protéger. Je pense que rien ne le prouve. Sachant que, a priori, l'avocat est là pour vérifier qu'il s'auto-accuse. Et que si jamais on fait un truc de travers, l'avocat sort, passe un coup de fil et sa famille passe, quoi. Donc, Un mec bien, ce Justin. Voilà, un mec très bien. Un mec très très bien. Alors j'ai un plan, mais il peut être très très sale, hein, pour... Oh, putain. Donc actuellement, je fais juste le dispatch. Où sont chacun. Comment ça s'appelle Rick... Lynn et Danny sont au poste avec le subsidie du proc à voir ce qu'on peut faire pour essayer de toper le gars qui est au-dessus de Sean Campbell. Si quelqu'un y a. Mais nous on en est convaincus. Hein. Voilà. Pendant ce temps-là, Guillermo. Ah oui, et on a récupéré aussi le mandat pour regarder la vidéosurveillance du box. La dernière fois qu'on a vu le fameux José qu'on cherche depuis 3 ans. Et le mandat pour fouiller la maison. Voilà. Guillermo, t'es où là ? Bah, moi, je vais rentrer une fois que je suis repassé chez la maison de José et que j'ai vu que j'avais rien loupé. Ben, je retourne au commissariat. Ok, donc tu vas arriver au commissariat. Et même chose donc pour. Welch, il est à la morgue. Pour Welch, oui, qui est au coroner. Ouais, c'est mortel là-bas. Mais qui lui est sur une autre affaire. Qui vient de tomber au roll call. Donc voilà. Je vous laisse continuer, me dire ce qui fait quoi. On va passer vite fait sur Denis. Et après on revient sur les quatre qui sont sur l'enquête principale. Denis. Ouais. Je t'écoute. Alors, on te trouve. Alors, clairement, t'arrives. Donc, pas ça content, a été étiqueté. Hein. Donc, là, ils te disent, quand t'arrives, bon, l'analyse ADN est partie. Sa puce, c'est même pas la peine. Elle est broyée avec le reste. Rien à en tirer. Et, clairement, et autour de la personne, juste des morceaux de lui, quoi. Bon, à dans 24 heures. Voilà. Et je te laisse monter avec les autres et continuer tous ensemble l'enquête là. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah, y'a pas grand chose à faire d'autre pour l'instant. Attends 24 heures. Je pense à un truc. L'idée en ça 2030, serait que... y a pas des logiciels de reconnaissance faciale, même de bouillie. Non, de bouillie, non. Sérieux. Sérieux, non. Non, la bouillie reste de la bouillie, hein, c'est pas le. Donc, juste pour. Comment ça s'appelle Rig et Danny qui vient de revenir. Wedge enquête sur une personne qui a été défenestrée. Du 10e étage, il en reste grand chose. Ouais, il en reste énormément de morceaux. Bah, voilà, moi du coup j'attends ma voiture du coup et puis après l'idée c'est de partir à la maison de Campbell pour aller fouiller la maison. Alors tu vas avec qui? Vous y allez à deux voitures? Bah, moi j'irais bien voir la vidéosurveillance bon, quand même un jour. Ok. Ouais. Bon si tu viens avec moi on va voir ta vidéosurveillance. Ouais. Et Guillermo et Lille et vous allez à la baraque et Dans ce on vous rejoindra là-bas en tout cas. Et Danny tu vas où? Ah bah je vais participer à la fouille et on n'a pas besoin d'être trois pour regarder des vidéos alors que on a certainement besoin d'être trois pour fouiller une baraque. Ah mais ça va être rapide de toute façon vu qu'on a l'heure du rendez-vous hein. L'heure et le lieu donc. Ouais, alors raison de plus pour pas être trois.
Donc bah, je vais commencer par, par la baraque, puis après j'enchaîne sur la vidéo et le box, parce que vous avez aussi l'accès au box. Hein. Si un box a été ouvert, si vous dans la vidéo vous voyez qu'un box a été ouvert, vous avez un truc qui permet de, d'ouvrir ce box, de faire ouvrir. À mon avis, on va retrouver... Question conne, quand on l'a arrêté, Campbell, il n'avait pas son téléphone sur lui? Non. Ah non. Par contre, l'avocat, oui. Tu vas voir que... Tu vas voir qu'ils nous ont, devancé, sa famille elle est déjà en otage quelque part. Donc vous arrivez devant une nouvelle fois devant la maison, la croix n'est plus là, elle a été retirée. Ouais. Et il y a le double de vigile à la maison. Ah, comme c'est bizarre. Ouais. Bonjour messieurs. Bonjour. Ouais, ce papier, ce papier il dit que vous allez m'ouvrir la porte. Eh oui. Bah, il t'ouvre la porte, hein. Voilà. Comme c'est gentil. Merci. Et ben, on va rentrer dans la maison. Ouais. Alors, par contre, quand on rentre dans la maison, on va dire, vous voyez, messieurs, ce papier dit que vous allez rester en dehors de la maison. Hein? Non, clairement pas. Il le dit pas. Mais oui, c'est toi qui as la question. Le mandat, il est pour la maison ou il y a des dépendances qui sont incluses sur le mandat ou pas? La maison et tout ce qui est dans la propriété en fait. D'accord. Donc on va fouiller tous les vigiles. Non, ils ont tous des armes, mon dieu. On va les arrêter pour port d'armes. Alors par contre, dans le truc, pendant qu'ils sont en train de s'occuper des vigiles, de leur poser des questions, de faire une fouille au corps, etc., est-ce qu'il y a moyen de voir madame et ses enfants, ou même madame toute seule, sans qu'il y ait quelqu'un avec elle? Alors de base, t'as un vigile qui est dans la même pièce qui te dit ceci. Moi, j'ai pour ordre de les surveiller. Je suis garde du corps, je les surveille. Dommage que je sois pas là. Alors vous surveillez pourquoi? Pour pas qu'on fasse du mal à madame. D'accord. Oui, tout à fait. Bah justement, on est la police, on va pas leur faire du mal, on est là pour les protéger. Moi, j'ai entendu des choses sur la police, je vous crois pas. Ah, lui, il est futé, hein. Faites bien attention. Hein. Ouais. Ouh, toi, là, tu m'as l'air d'être un sacré futé, en effet. Ça me fait penser au garde du corps dans Kaamelott un peu. Ouais, à peu près. Alors... Il y a un peu de ça, je vous l'avoue. Alors, comme tu m'as l'air d'être un sacré futé, je pense que tu vas aller à la grille, tu vas voir si j'y suis, et si j'y suis pas, tu vas m'attendre. Non, mais si madame va à la grille, je vais à la grille. Elle est là, moi je reste là. Et quand madame va pisser, tu es aussi dans les chiottes ou pas? Là, il réfléchit pour une seconde. Non, je me mets devant. Et elle est où là? Elle okay. est où ta... Donc si tu te mets devant la porte de la cuisine pendant que je suis avec madame dans la cuisine, c'est comme si tu te protégeais alors qu'elle était en train de... Allez, fais-moi un jeu d'éducation. Et de rhétorique si t'as rhétorique. Alors, est-ce que j'ai rhétorique? Oui, j'ai rhétorique. Bah, tu l'as là, par contre, c'est éducation, une réussite pour le convaincre. Oh putain, une réussite, putain, une réussite. Tu veux que t'aides peut-être? Ah bah ça, c'est pas de refus. Attends, il me demande un truc sur éducation, moi. Attends, je vais te dire ça, est-ce que j'ai besoin d'aide? Je suis pas forcément en rhétorique, mais... Non, c'est bon. Non, ça va pas. Bon, bah il va surveiller la cuisine, enfin la porte de là où vous êtes. Et il vous laisse seul, donc, avec la miss. Avec la miss. Alors, Madame Campbell, j'ai parlé beaucoup plus bas, Madame Campbell. J'ai besoin de savoir si vous et votre famille avez été menacés et si vous réclamez de l'aide de la part de la police. Elle te regarde et elle rigole. Mais avec tous ces gardes, comment je pourrais être menacé? D'accord. Est-ce que par et hasard... Combien de vos gardes font partie du Ku Klux Klan, madame? Est-ce que par hasard, votre mari a discuté avec quelqu'un d'autre avant que nous arrivions hier? Hier, oui, tout à fait. Est-ce qu'il aurait par hasard parlé avec monsieur Carl de Fontenay? Non, avec Justin McNamara. D'accord, et vous avez rien remarqué du style votre mari qui devenait tout d'un coup livide? C'est vrai qu'il tirait. Il était un petit peu livide quand il a vu la croix dans le jardin, mais sinon.
Et... Mais d'accord, il a plaisanté, il disait que bon, ça, au moins ça, ça alimenterait les plantes. Savez-vous où est votre mari en ce moment, madame? Oui, il est au poste de police. Alors, savez-vous la peine qu'il mari en cours a... Allô? Oui. Alors, j'ai pas entendu, savez-vous en fait la peine qu'il en cours? Non, pas vraiment. Je pense que la peine de mort, madame. La peine de mort, le dire. Non, mais vous êtes des monstres. Bon, alors, non, mais clairement, elle déconne, grosso modo, pas. Votre mari est en train de s'accuser de plein de chefs d'accusation, et on va dire que on va être très pragmatique. Là, elle commence à être un peu effondrée, la miss. Hein. Il y a à peu près du 50-50 pour que. Et nous, on essaye de en sortir. Le problème, c'est qu'a priori, on ne croit absolument pas que votre mari soit coupable. On pense si, plus c'est qu'il est en train d'encaisser quelque part, ouais, d'endosser toutes les responsabilités pour un truc qu'il n'a pas commis. La question, c'est pourquoi endosserait-il... Qu'il a commis, mais qu'il n'était pas... Ouais, mais enfin, bref, Laisse-le baratiner. L'action est de savoir pourquoi est-ce qu'il endosserait des choses qui mettraient sa vie en danger, alors qu'apparemment, il n'aurait pas à le faire. D'où ma question... Vous êtes-vous, vous sentirez-vous menacé, surtout depuis qu'on a doublé des gardes chez vous, qui pourraient éventuellement faire des actions que vous ne souhaiteriez pas. Vous avez des enfants ? Alors là, autant la première partie de ta déclaration, elle est un peu effondrée, et comprend pas la deuxième partie. Hein, cette histoire oui, c'est de, rien. De garde, tu ferais, c'est pas. C'est bon, là, tu l'as paumé. Mais là, vous êtes sûr qu'il est. Pourtant, c'est un homme si gentil. Nous pensons que son avocat lui a ordonné de s'accuser volontairement de tous ces crimes pour protéger des gens plus hauts qui vont essayer de le faire libérer avec des avocats, trucs comme ça. Mais nous avons mais un dossier ça, relativement ça costaud. C'est un ami de la famille. Ça fait partie de nos amis. Il ferait jamais ça. Oui, ah, vous savez qu'un est aussi un ami de la famille d'Abel, hein, y a pas de souci avec ça. Pardon. Mais du coup, comment dire, on pense que justement, la clé qu'a joué l'avocat est justement cette amitié, et qu'il a demandé à ce que votre mari se porte coupable pour protéger une organisation plus grande, et des gens plus hauts. Pensez à quoi exactement? Par exemple, à l'organisation que dirigerait Monsieur de Fontenay. Mais Monsieur de Fontenay est un ami de la famille, il ferait jamais ça. Oui, Abel ferait jamais de mal à Cain, et Cain ferait jamais de mal à Abel, c'est bien connu. Et le truc, c'était pas une menace dans le jardin, surtout une menace directe, quoi. Oui, parce que ça ressemble pas du tout aux méthodes du Ku Klux Klan, hein, d'afficher des croix cramées devant les gens. Alors pas du tout, hein, mais... Ça va ou il faut qu'on lui fasse un dessin maintenant Alors nous, ce qu'on voudrait... Non, mais j'ai du mal à vous croire. Monsieur de Fontenay est très gentil. Il est passé encore hier. Tout va bien. Ah, ah oui, ben voilà, il est passé hier pour s'assurer que tout se passait bien. Du style que vous étiez bien sous bonne garde. Il est passé hier du corps, en résidence surveillée et que votre mari ne disait... Alors, je demande à quelle heure il est passé, en fait. Quand est-il passé Il est passé pour manger à midi. Donc on est bien d'accord qu'il est passé forcément avant que les mecs chopent la meuf. Et donc les gardes du corps, ils sont là depuis quand? Non, la meuf c'était encore avant, c'était la veille encore, donc c'est pas ça. Non mais j'ai les gardes du corps, ça fait qu'ils sont toujours là, ça veut dire aussi élevé. Et t'es pas là toi? Oui, t'es pas là. Si. Non mais demande-leur, j'entends un texto. T'es pas là, c'est tout. Non, parce que bon, ça fait quand même un indice. T'es pas là. Bon, par contre, Madame Campbell, pourquoi d'un seul coup avoir doublé le nombre de gardes du corps? Je sais pas, c'est pas moi qui prends cette décision. Qui l'a prise, madame? Bah, c'est mon mari. Vous en êtes sûr? C'est ses gardes du corps, non? Combien de temps? Je sais pas. Vous savez. Et ils sont arrivés de.
Ils sont arrivés là quand votre mari a été arrêté par nos services? Ils sont là depuis longtemps avant? Ouais, après... du bout dans la journée, quoi. À peu près en même temps. Voilà, donc grosso modo, votre mari qui est arrêté, qui n'a pas pu communiquer avec l'extérieur, qui n'a pas encore eu de coup de fil, a réussi à vous dépêcher des gardes de corps supplémentaires. Et ça vous paraît tout à fait logique. Il est prévenant, mon mari. Ouais, regarde, avec beaucoup d'aplomb. Il est prévenant, mon mari. Et par hasard, c'est pas la première fois que vous voyez ces gens. Il est prévenu pour l'instant. C'est un prévenu qui est en garde à vue. Parce que je suppose que vous, les gens qui travaillent avec votre mari, vous les connaissez, non? Vous les avez vus au dîner de l'entreprise de Thanksgiving, de Noël, etc. Et je pense que ces gens, la moitié des gardes qui protègent votre demeure, ne vous les connaissez pas, non? Bon, ils ont peut-être un petit peu un air de famille, rasé tout ça, mais à part ça... Avec des tatouages sur les gros bras, mais à part ça, c'est... voilà. Je comprends pas où vous voulez en venir, en fait. Je pense que ces hommes sont là pour vous surveiller, et vous surveiller pour... Mais vous mettre en danger si votre mari lâche l'affaire. Je pense pas qu'ils sont payés pour ça, en fait, te dis. Mais ils sont là pour vous tuer si votre mari parle. Être garde, mais non... Mais qu'est-ce qu'elle est conne? Pardon. Alors comment dire, j'ai pas envie d'essayer de vous le prouver puisque la mort est quand même relativement définitive et que ça m'emmerderait d'avoir votre mort sur ma conscience. Par contre, vous avez des enfants? Mais regarde, mais allô, ça vous regarde? Parce que je vous conseille fortement est-ce que vous de prendre ici avec des enfants. Vos enfants, non, si vous en avez. J'ai une fille, elle fait ses études en Amérique, au Texas. Ok, donc vous êtes toute seule en fait dans la maison. Oui. Et est-ce que vous pouvez sortir sans garde du corps? Je veux pas sortir sans garde du corps. Genre, il y a des gens, ils agressent des autres. Vous avez pas vu les actualités? Moi je regarde souvent WP88 et je peux vous dire que c'est pas joli joli hein, dehors. Il y a des latinos qui attaquent. Mais bon, sérieusement, Lynn, je pense c'est pas contre vous, mais les gens il y a des gens comme vous, et eh ben ils sont pas recommandables. Non, j'en doute pas. Comme vous, en pointe du doigt, moi. C'est ça. C'est étonnant. Ouh, j'hésite à lui mettre une droite et à l'enlever, moi, mais ou à lui tirer les cheveux. Mais je me calme. Ah, moi, j'hésite à lui foutre une balle directe, comme ça, au moins, ça résout le problème. Mais on va dire que ma morale. Comment dire en fait. Tac. Clairement, dans sa logique, elle est protégée par les hommes de son mari. Qu'est-ce qu'elle craint hein. Ça. Hein. Alors. Oui. Pouvez-vous nous dire où se trouve le téléphone de votre mari, s'il vous plaît? Téléphone, agenda, le portable. Voilà. Attends. L'autre qui est assez con là, qu'on a renvoyé dans la cuisine, tu crois qu'il et sera qui est assez en train con de revenir pour... vu que t'en parles. Justement, oui. Tu crois qu'il sera assez con pour dévoiler le truc? Complètement. Complètement. Et Hulk. Juste une question comme ça, t'es là pour assurer la protection de Madame Campbell? Oui. Et Monsieur qu'est-ce qui se passe si Madame Campbell veut sortir? Madame Campbell. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si Madame Campbell veut sortir de sa demeure et aller au supermarché? Eh ben, je prends la voiture, elle rentre dans la voiture et je l'emmène au supermarché. D'accord. Et pour qui tu travailles? Qui paye? Pour Sean. Et tu connais tous les collègues qui sont là? Tous les autres gardiens? C'est des gens de Security 3000. Déjà depuis longtemps, toi? Au moins tout ça. J'ai envie de... Non, je réexagère. Bah, ça fait un an, au moins. D'accord. Et tu les as déjà vus? Ouais, tu connais les nouveaux? À part moi, la plupart des gens, ils changent toutes les semaines, ici. Ah ouais, genre, toi, t'es qui sont genre, hier. Toi, t'es du genre qui reste en place, quoi. Je vois le genre, ouais. comme il a dit, Monsieur Sean, moi, je suis un gros... Je suis très fort, et surtout, je vois les petits malins venir. Donc, je peux surveiller sa femme avec beaucoup d'efficacité, qu'il a dit. Ouais. Oh, c'est bien. C'est... et je coup, sens poids dans le Darwood Award, mais je sais pas pourquoi, mais... Tu veux me les montrer ou pas, les nouveaux? Hier.
Il te les montre, oui. Bah, de toute façon, si tu fais un jet de sens de flic, tu pourras les repérer, hein, ceux qui sont... Ouais. Mais il te montre ceux qui sont arrivés dans la journée, quoi. D'accord. Et bah, du coup, les mecs en question, ils aiment pas trop se faire péter du doigt, hein, quand même, hein. Oui, je me doute bien. Mais on va aller les voir. Ils ont tendance à avoir le téléphone qui les démange, quand c'est comme ça. Ah ben, pour le coup, on va les fouiller. Bah, ils sont armés. Non, mais je m'en fous de l'arme, c'est pas ça que je cherche, moi, c'est leur identité. Ils sont en règle. Oui. Bah, l'idée, moi, c'est que j'aimerais avoir leur nom et savoir si, dans les... de la police, parce que je pense que les services de sécurité se déclarent, non, à la police, non. Normalement, Et est-ce que quand on le passe, il y a marqué qu'il est identifié chez Protect 2000, machin truc, ou dans une autre société Les mecs là, tous, ça te prend un peu de temps, donc je te donne la réponse dans 5 minutes, je vais voir ce que feront les autres quand même. D'accord. D'abord Danny, parce que j'ai pas entendu, est-ce que tu fais quelque chose en particulier dans la maison pour qu'ils soient avec la femme? Bah oui, Danny il exécute le. Tu veux dire tu tues le mandat avec une balle? Non, je veux dire que... Bonjour, je m'appelle Daniel. Le mandat, c'est-à-dire que j'exécute l'ordre de justice qui marquait là, à savoir je fouille la baraque. Ok, donc jet de scène de crime, perception. Scène de crime? Mm-hmm. Bah, pas encore, mais bientôt. Sinon, c'est juste perception. Hein, si tu prévois, juste perception pour le coup. Parce que... Oh mais je sais pas, moi j'en sais rien, c'est comme tu veux. Perception, c'est sous 6, donc ça me... D'accord, alors... Y a personne qui a beaucoup en perception aussi. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens c'est qui... C'est quoi déjà la commande? Exclamation... Ta compétence, c'est 6, et le C est majuscule. Ouais. Et un point d'exclamation devant. Et pour un jet de perception, c'est perception tout seul, hein, c'est ça? Oui. Ça, tu mets la perception et la compétence, c'est 6 en fait, quand c'est tout seul. Ah ouais, juste 6. Le seuil de difficulté, voilà. Quoi. Ok. Et le seuil, ça va dépendre du nombre de marches que tu c'est fais. C'est 0. 0, c'est-à-dire aucune réussite? Ouais, aucune réussite. Alors, clairement, tu trouves l'ordinateur de travail comment il s'appelle, de Sean. Dans la maison. Bon, bah, on l'emballe, hein. Autre chose ? Hein, bah... Si t'as des trucs spécifiques que tu veux voir, en fait, qui recèlent pas du jet, en fait. Je sais pas ce que les autres cherchaient dans la baraque, en fait. Bah, ils peuvent te le dire. En fait, le téléphone, surtout, les moyens qui ont permis à... Son cher, c'est tous les moyens de communication, en fait. À établir le lien entre le Ku Klux Klan qui a parlé... à Campbell pour lui dire de prendre pour le menacer, pour lui dire d'aller kidnapper la meuf ou pour lui dire de se faire d'être responsable. On a son numéro de téléphone. Oui, oui. Ah oui, oui, on a son numéro de téléphone. C'est pas le. Et on a fait sonner le téléphone déjà. Non. Bah, je vais le faire avec le mien. Donc il y a là où il y a la nana, sa poche sonne. Bon, on va récupérer, hein. J'ai trouvé le téléphone, les gars. Et puis, dans son drôle. Bureau à lui, sur tous les téléphones de la baraque, je vais utiliser la touche bis. Je vais voir où j'arrive. Okay. Bon, alors, on va dire qu'il n'y a que deux téléphones. Premier, allô? Oui, oh, c'est le soir. Hein. Ouais. Bonjour. John? Non, c'est pas John. Excusez-moi. Bonne journée. Enfin, bonne nuit. Bon, je vous remercie. Fais-moi un petit jet de... Alors, dis pas John, dis Carl. Source de flic. Hein? Source de flic sous Carl, exception, pour le coup. Où? Enfin, instinct de flic, personne. Donc d'abord tu mets ta perception, C et ce que t'as en instinct de flic. Ouais, attends, je vais regarder combien j'ai. Ah parce qu'en plus ça ouais t'es royal aujourd'hui, t'as même le droit d'être sur l'estime quand même.
Ouh. Ah ouais, non mais là c'est royal, j'en profite. Royal, oui. Ouais. Il va se passer quelque chose, les gars. Une réussite, c'est clairement cette voix te dit quelque chose, t'arrives pas à mettre le nom dessus, mais ouais, t'as dit quelque chose. D'accord. Ce que je vais faire, Carl, c'est que. Non. Allô, Carl, allô, allô. Je vais trouver qui c'est. Ah, mais il y a moyen de le vérifier tout de suite. Parce que le numéro, regarde qui c'est. J'enregistre le bruit de la numérotation et on va le retrouver. Ça, c'est pas un souci. Mais sinon, tu peux pas voir dans l'historique des appels. Mais j'ai fait touche bis. Ça, je sais pas si le téléphone affiche un historique. Je pars ou du principe que si y a un historique sur tous les téléphones récents, bon, je relève le numéro de téléphone. Ouais, ce sera plus simple. Bah, je relève tous les numéros de téléphone de dernier appel. Hein, puis pareil sur l'autre téléphone. Enfin, tous ceux qui sont dans l'historique, quoi. Ouais. Ok, bah t'as une liste de numéros de téléphone. Ouais. Ok. Bon, ailleurs, sur un autre espace-temps. Près d'un endroit où il y a plusieurs box. Bon. Ah, bon, bah, je vais voir le monsieur, le gardien, ou la madame. Bonjour, était passé l'autre jour, on vient en Allemanda pour regarder les vidéosurveillance. Ah, mon collègue m'en a parlé. Bah, entrez. Ok. Donc là, ils disent, bah, installez-vous et regardez. Hein. Voilà. Moi, je vais faire une petite ronde. On regarde par l'heure et la date. Puis-je vous accompagner si votre mandat l'autorise, oui, sinon non. Est-ce que le mandat l'autorise? Oui, tu veux. Oui. Non, mais honnêtement, on le verra après, non? Ce sont bah, c'est pas grave, il l'accompagne, peut-être qu'il veut lui poser des questions, j'en sais rien, moi. Il a peut-être pas envie qu'il se tire. Non, et puis juste une question, là, comment c'est les box en fait? C'est fermé, c'est y a qu'une seule issue, des trucs comme ça? Ouais, c'est grillagé en gros, barbelé et c'est des garages quoi, à voler. Bah, je mets voler la voiture. Métallique. Je mets la voiture de toute façon à moi. Il y a personne de toute façon à part le gardien. Non, il y a pas l'air d'avoir. Enfin, il y a le gardien et son chien. D'accord. Bon, bah je vais accompagner le gardien. Tranquille. Je vais regarder les vidéos avec moi pour voir si quand on fera les jets, qu'on ait deux jets au moins pour repérer les trucs. Je crois vraiment que c'est mon. Tu te sens. Pourquoi t'es pas capable? Parce que je crois vraiment que c'est mon. À chaque fois, faire des gestes, si jamais je suis tout seul. Ouais. Surtout que je suis une naze en perception. Hein. Non, mais tu sais ce que tu cherches. C'est beaucoup plus facile. Hein. Oui. C'est ça. C'est, tu vois, de toute façon, tu regardes pendant une certaine heure. Je veux dire, c'est des gens que tu cherches. Hein. C'est pas un détail hein, au départ. On verra. Bon. Donc, d'abord, les vidéos. Ouais. Allez, lâche ton jet de perception. C'est quoi, c'est même si tu fais 0, tu vas voir quelque chose. Hein. C'est juste savoir si tu vois des détails ou pas, en fait. Hein. C'est 2, c'est quoi, c'est... J'ai que 2 en perception. C'est sur quel caractère? Sur 6, juste perception, pour le coup. Donc c'est sur 6. On est une. 2, c'est 6. Bon, bah c'est déjà, bon, tu vois, t'es pas mauvais. Donc, non, clairement... Pas facile... Oui, vas-y. T'arrives à identifier dans les vidéos de surveillance sur l'heure donnée clairement comment il s'appelle merde José qui rejoint 4 autres personnes en fait qui l'attendent. Okay. Et à 4 en fait ils rentrent dans les là où il y a les box et ils vont prendre des choses dans un box et ils ressortent avec des sacs de voyage, des gros sacs. Les mêmes sacs que vous avez trouvés dans le van. Hein. Ouais, ok, oui, le box, je prends le numéro du box. Oui. Bon, clair, quoi. Tu me passes. C'est 4. C'est qui a la clé? 5 avec José. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il en manque, il en manque un par rapport au. Il manque le 6ème, ouais. Il manque le 6ème toujours, il est toujours pas arrivé. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils vont chercher les sacs, ils reviennent, ils se cassent, c'est tout. Hein. Ouais. Tu mets le numéro du box par radio au pire. Ouais, c'est le numéro. Bah, le... Tu sais qu'à la clé du box, sur la caméra. Avec le vigile. Je papote de tout, de rien, enfin de son boulot. Attends, je passe un peu en avance rapide quand même pour voir si jamais on voit pas la voiture, le van repart. Oui, repart. Pas de soucis. Donc, je parle de son boulot et puis voir. Ouais, ils font le pire ici, c'est les mecs qui viennent la nuit essayer de faire racturer les vannes, les box. Ah, et il y en a beaucoup? Ouais, ça arrive de temps en temps. Ouais. Mais bon, vous êtes habitués, quoi. Bon,
Ça va, le quartier est pas. À part ça, le quartier est pas trop dangereux quoi. On est quand même à sous centrale hein. Ouais. comme il dit, hein, heureusement que j'ai lui, il te monte le chien et lui, il te monte son fusil à pompe. Gros calibre. Ouais. Oui, le chien. Et même pas le caresser ou autant, il doit me... Tu reçois le message de ton collègue, je te laisse. Hein. Ouais. Non, par contre, déjà sur mon avance rapide, j'ai rien vu. Non. Ok, bon, je vais les rejoindre à ce moment-là et je vais pour fouiller le box aussi. Hein. Ce qui peut être pas con, c'est de prendre les bandes pour savoir quand est-ce qu'ils sont venus, parce que je sais pas si ça peut nous apprendre un peu plus sur avant. On les aura plus tard, quoi, quand on aura le temps. Mais... Ouais. Vérifie s'il donne des coups de pied dans le box, et si c'est le cas, méfie-toi, parce que dans ce cas-là, c'est un kickboxer. Ouais, je m'écarte pendant qu'il l'ouvre, ou comme ce serait piégé comme tout le reste, pendant qu'il l'ouvre, moi je m'écarte. Ah, t'as cherché ça là quand même, pour l'amener, oh là là. Ouais, moi je trouve qu'elle a du niveau d'Obi dans ses grands jours. Hein. Ouais. Bon. Dans tous les cas, donc, il ouvre le box. Et dedans, il y a des sacs et il y a des sacs en fait posés en vrac et surtout deux grosses caisses ouvertes. Ouais. Bon. On va fouiller tout ça. Hein. Enfin, ouvertes fermées plutôt. Ouais. Bon. Je suis circonspect en regardant parce que vu qu'il y a eu plusieurs trucs qui étaient piégés, mais bon, je pense pas que là. Piégé il était pas là visiblement. On fait attention, on reste très vigilant. Avant d'ouvrir les caisses, je regarde ce qu'il y a comme ça, déjà. Alors, sur les caisses, il y a le symbole explosif. Hein. On va quand même appeler le truc de minage, de déminage à ce moment-là. Pour dire qu'il y a des explosifs, on a trouvé des explosifs dans un box. Bon, a priori, ils ont peut-être tout pris, ils ont pas acheté beaucoup de rab, à mon avis, hein, mais bon. On parle des mecs du Ku Klux Klan à la base, hein, donc si on parle de caisse fermée. Non, mais non, eux, c'est pas les mecs du Ku Klux Klan. Eux, ah oui, non, c'est vrai, c'est pas les mecs du Ku Klux Klan vu qu'ils piquaient la liste. Dans tous les cas, ils vont arriver en attendant sécuriser la zone. Ouais, on sécurise la zone et on commence à fouiller sans ouvrir les caisses encore parce que bon, on va attendre qu'ils soient là. Alors, je le fais en rapide, hein, ce qui va se passer. En gros, ils arrivent, ils regardent, et au bout d'une heure, on vous dit que c'est bon, c'est sécurisé, et que dans une caisse, c'est simple, il y a des pots de termites, et dans l'autre, il y a des pains d'explosifs. D'accord. Qui correspondent à peu près à ce que vous avez trouvé sur le reste. Alors, là, de l'enquête. Vous êtes tombé sur le stock. Il faut arrêter les boulangers. Ouais. Alors, si vous pouvez mettre un ou deux pains de côté, ça pourrait être pas mal, parce que je pense qu'on en aura besoin dans l'avenir. Non. Tu veux pas un char d'assaut non plus? Je pense quand même que le bomb squad, il a déjà... Fait la refaire. Ça, hein. Ah, c'est un peu ça, oui. C'est... Comme le bomb squad est passé, autant dire que tout a été étiqueté et écouté. Que... Hein. Pour que la meuf se sente menacée, j'avais idée de tirer une balle sur une fenêtre. Quelque part, ça aurait pu marcher, tu vois. Elle se dit, je me sens menacée, hop, on la prend, on la met en sécurité. Pouf, son mari, on lui dit, pouf, il nous dit, on démonte toute l'organisation, on la dissout, et bam, on a marqué l'histoire. Et en plus, allez, les mecs, des XP, c'est ça. Voilà. Et les mecs en capuche, disparus, voilà. Et sinon, si on part sur un plan crédible, ça donne quoi? Et on relève des empreintes et tout le bordel, au fait, hein. Ouais, non, mais pas de soucis, de ce côté-là. Le fait qu'elle ait son téléphone sur lui, ça suffit pas au moins lui faire un complément d'enquête Si. Mais de toute façon, on va forcément lancer une... Non, mais de toute façon, on passe aux trois autres. Ok, qu'est-ce que vous faites là, de l'autre côté? On embarque tout, on confisque tout, et puis ça va être... Y'a quoi dans le téléphone en fait? Parce que du coup, est-ce qu'il y a des trucs exploitables? Genre, ouais, des coups de fil. Il est toujours dans sa poche là, ça sonne. Non, mais. Il n'y a pas de bordel pour ça. On va le prendre. Et Denis, elle a le téléphone de monsieur Campbell sur elle. Ça suffit largement pour qu'on l'emmène au poste pour avoir un complément d'information. Bah, je suis pas sûr qu'avoir le téléphone de son mari dans sa poche soit suffisant pour mettre quelqu'un en garde à vue quoi.
Putain, ouais. C'est pas une garde à vue, personnellement. C'est pas une garde à vue, c'est juste un complément d'information. La question est, pourquoi on recherchait ce téléphone? Pas pour les communications de... Pour voir si Campbell il a reçu des menaces, des coups de fil du genre « Hey, espèce de petit connard, tu veux pas te porter volontaire pour tous les crimes qu'on t'a dit de faire ?» Et puis tu oublies qu'on t'a parlé, quoi. Comme le mannequin dehors. Et quel voilà. mannequin non, bah... dehors? Tu vois le truc qui crame? Du coup, on a rien contre elle, quoi. Contre elle, moi j'ai aucun problème. Je pense qu'elle est juste niaise. On a strictement rien contre elle. On veut juste qu'elle fasse une. On a besoin de poser quelques questions. Et comme on veut enregistrer sa déposition, comme de toute façon, le téléphone est sur le mandat, elle doit nous le filer. Hein. Oui, mais ça, c'est sûr. Tant que vous lui demandez pas, elle n'a pas de raison de vous filer. C'est toujours ça. Hein. Je lui demande. Il l'a oublié hier. Si vous pouvez lui rendre, c'est gentil. Tout à fait, n'inquiétez pas. Madame Campbell, est-ce que vous accepteriez de nous suivre pour répondre à quelques questions juste au commissariat? Ça prendra pas longtemps. Monsieur Sean, il m'a... Enfin, pas Monsieur Sean. Monsieur McNamara, il m'a dit que je devais rester à la maison. Oui. Pour ma propre sécurité. Ça vous permettrait, par exemple, d'apporter, je ne sais pas, un nécessaire de toilette à votre mari, du change, par exemple. Par exemple, et surtout à répondre à deux, trois questions, ça n'apprend pas beaucoup alors, de temps. Elle vous regarde et elle fait « Est-ce qu'il peut m'accompagner ?» Et elle monte son garde du corps. Oui. Il n'y a pas de soucis, bien sûr. Ah si, mais bien sûr. Mais tout à fait, mais bien entendu, si ça peut vous servir, il n'y a pas... Lui, par contre, lui tout seul, mais pas les autres. Voilà, mais pas les autres. Si j'ai bien compris, c'est un peu l'ami de la famille. C'est une question de procédure, en fait. On peut en prendre qu'un seul, c'est bête. Hein. D'accord, mais faut que je lui prépare... Nécessaire de toilette, des chaussettes, voilà. Voilà, quoi. Des sandwichs... Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Il a déjà donné son ADN, le gars, en fait. Oui, je pense que oui. Bon, par contre, il faudra récupérer le téléphone dans un sachet plastique et tout, parce qu'en effet, il peut y avoir des trucs. Lynn, il faut absolument qu'on puisse faire passer le message à Monsieur Campbell que sa femme est dans nos locaux avec deux neurones, là, et que... On va lui donner un droit de visite. C'est tout. Ah oui, forcément. Mais du coup, je regarde le téléphone, moi. Je prends les petits gants et je regarde à l'intérieur s'il y a des trucs intéressants. Hein. Alors, en termes de messages directs, non. Sur la liste de contacts, t'as le numéro de Carl Le Fontanet, t'as le numéro de Charles Ryan, t'as le numéro de comment s'appelle, tous les mecs que t'as rencontrés et que t'as les numéros de security. Enfin, de sécurité 3000, voilà. Mais à part ça, voilà. Et dans les appels rentrants, sortants, l'historique d'appels Sur les derniers jours. Ouais. Un appel entrant de Charles Ryan. Et après, t'as surtout des appels rentrants et sortants de Justin McNamara. D'accord. Et c'est quand le Ryan, là? Le Ryan, ça doit être 12 heures après le cambriolage. D'accord. En fait, les gars, je pensais à ça, mais il y a une piste qu'on n'a pas du tout faite pour le moment. Hein. C'est les collègues de travail. Hein. C'est l'axe. De José, ouais. Oui, parce que pour l'instant, vous êtes partis tous sur Security 3000, mais pour l'instant, José, il est un peu resté en suspens dans le vide. Ah, je signale que j'ai essayé de voir ce que ça donnait avec sa petite amie, quand même. Hein. Oui. Moi, je vais voir les bandes quand même. Alors, le mandat, il spécifie donc qu'on cherchait le téléphone dans la baraque, hein, c'est ça? Il était spécifié que vous avez le droit de fouiller la baraque pour chercher des preuves. Donc, on a trouvé un téléphone et donc on le ramène. D'accord, ok. Je vais chercher dans toute la paperasse de notre suspect, là, tous ses liens avec son avocat. Ok. Avec son avocat. Tu me fais un petit jet de bureaucratie sur perception pour le coup.
Perception bureaucratie. Perception. Pourquoi tout est en perception? Bah, tu proposes, hein, si tu veux. C'est de la recherche. C'est pas de la carrure, c'est pas du charme. Je dirais pas que c'est de la coordination. Peut-être éducation, à la limite, ouais. Éducation, ouais, ça me va. Ouais. Éducation, bureaucratie. Alors, j'ai combien en bureaucratie? 8. Mais oui, on est beaucoup de quiches en perception. Hein. Il y en a deux qui sont quiches en éducation. Bah, le truc, c'est que je pense pas qu'il y ait... Je pense qu'il y a personne qui a 4 à table en perception. Non. Non, j'ai 2, moi. Ouais. Alors, moi, j'ai 3 et j'ai l'impression d'être dans les meilleurs, donc... C'est que, a priori, Justin McNamara est payé par Security 3000. Mais ce serait intéressant de savoir quand même qui est l'actionnaire majoritaire Security 3000. C'est pas Protect 3000 de toute façon, le maximum de paperasse sur Security 3000. Pas de soucis. Par contre, est-ce que j'ai vu un coffre-fort ou pas? Mais c'est Protect 3000. Non, clairement non. Avec bon. Non. Je cherche spécifiquement un coffre-fort dans tous les endroits que j'estime être possible. C'est-à-dire, refais un jet. Je cherche spécifiquement donc un coffre caché, hein, donc derrière les bibelots, ouais. Ce genre de choses. Vas-y. Le C6. J'ai du mal à voir ça en éducation, j'irais plus toujours en perception pour le coup. Hein, parce que, là, clairement... je suis d'accord avec toi en perception. Le C6, c'est ça? Ouais, à la limite, tu peux le mettre avec sous... Avec un point d'exclamation devant. Si c'est caché, je veux bien que tu le mettes sous discrétion, sinon ça sera sur 6. Mais discrétion, t'as... Je crois que t'as plus, hein, donc fais-le sous 6. Hein. Mm-hmm. Ok. Zéro. Ouais. T'as pas trouvé le coffre. C'est ça. Ni le cadavre planqué dans l'armoire. Les autres? Donc ils fouillent l'armoire. Bah on part du Rudolph. Bah, je pense que ça serait pas mal de que nous on aille faire la confrontation avec le mec et sa femme. Et par contre demander donc à l'autre voiture d'aller du coup à l'aéroport quoi. Ouais. Bon après moi j'ai pas, je vous dis tout de suite hein, il est 23h30, hein, j'ai pas continué très longtemps. Ouais bah justement j'allais finir là moi pour la soirée. Donc, nous, à partir qui va à l'axe? Qui va à l'axe? Bah, moi et... Ouais, alors, l'axe, il faut parler allemand, italien, japonais. Hein ouais. Je vous signale quand même une chose pour l'axe. Ouais. On a moyen d'avoir des contacts à l'axe. Non, mais là, on va interroger les supérieurs et les potes de José, hein, qui vient de se faire virer, donc ça va pas être très compliqué en soi. D'accord, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait... On pourrait avoir des infos sur ce qui se passe à l'axe, hein. Avoir des informations privilégiées sur ce qui se passe à l'axe. Mais je pense que pour le moment, on n'a pas besoin. Coordonnées, tout ça, quoi. Non, mais pour moi, on n'a pas besoin. C'est vous qui voyez, dans mais... Tous les cas, dans tous les cas, Donc, vous allez à l'axe, et les autres, vous allez où en fait, voilà. Bah, on rentre au COPS pour que l'autre bonne femme, elle donne son slip et les chaussettes à son mari, là. Hop là. Les chaussettes que vous lui avez retirées pour pas qu'il se pende, c'est ça? Non mais oui. on lui a pas dit que de toute façon on lui fournissait tout, y compris les sous-vêtements en papier, hein. Oui. Mais du moment qu'elle est persuadée qu'elle peut lui ramener son baise en ville, on s'en fout. Oui. C'est le prétexte. J'en doute pas une seconde. Hein. C'est juste moi, à la limite, j'aurais préféré qu'elle apporte un sandwich au jambon, tu vois, mais. Avec mais une bon. Dedans. Pour qu'il puisse manger. Ouais. Dans tous les cas, ça vous dérange que je fouille tout seul la baraque ou Non, tu peux rester si tu veux. Hein. Tu peux rester, non, je reste pas tout seul. T'imagines? Bah, on peut vivre. Il y a juste une vingtaine de gars d'une société de sécurité privée. Je veux dire, je peux pas rester avec eux. Alors, du coup, on va faire la sortie avec la mère. Ah, t'as le droit à une aide d'honneur. Il te regarde, il regarde tout. Et mais moi je souris. Et par contre, je me dis, dans la voiture, je vous dis que. Ça va être dans la merde pour la fille. En fait. Enfin, je dis pas forcément ce que la mère entend, mais. Protéger la fille au Texas, c'est chaud quoi. Ah bah, c'est impossible en fait. Ouais.
Si, on peut peut-être essayer de voir si on peut pas téléphoner, enfin passer un coup de fil là, mais ils sont pas obligés de le faire. Bah si tu veux, à mon avis, la ville là-bas, ça va être Cuckoo's Clan Town, hein, donc quelque part, on va être un peu dans la merde. Hein. Pendant ce temps, les mecs qui se dirigent à l'axe, vous voyez, vous arrivez pas trop loin de l'aéroport, et là, sur la route parallèle à la vôtre, vous voyez un avion de tourisme qui s'écrase, suite là, au prochain épisode. Oh, d'accord, ça c'est du climax. Cliffhanger. Ok. Barton. Bon, va-t-on réussir à sortir avec Madame Campbell? Ah mais c'est fini. Vas-y, oh, bah, si t'aimes les cougars, ouais. Vas-y hein. non, mais c'est pas comme ça que je le voyais. Donc juste pour tout le monde, je refile encore une fois le lien pour le mind map. Vous voulez commencer, il faut s'inscrire sur le site. Le truc est en libre accès, donc vous pouvez commencer à les compléter. J'ai commencé à faire un peu. Je peux mettre sur le forum le lien. Oui. J'ai joué une heure. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit, Obi? Je vais le mettre sur le forum. Ouais, je vais le mettre aussi sur le forum. Mais. Non, je reconnais qu'en effet, là, Kevin a battu son record de partie. C'est quand même assez impressionnant. Dès que j'ai vu que ma connexion commençait à tenir, je suis. Oui, c'est voilà, beau. Hein. Maintenant, il faudrait savoir ce qui se passe tous les lundis soirs pour que ta connexion tienne pas jusqu'à 23h. Bah, je te signale qu'en fait, techniquement, ma connexion tenait pas jusque beaucoup plus tard que ça, en fait, les semaines précédentes. Et là, c'était les vacances. Par contre, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais à partir de 19h, impossible de me connecter, quoi. Là. Voilà, ça, c'est envoyé. Donc, ouais, le lien que je vous ai envoyé, donc, je vous inscrire sur le site. Faudra que je voie comment on fait pour attribuer des. Normalement, tout le monde peut pour l'instant éditer, mais il faudra voir comment bloquer que, en écriture pour tout le monde et que d'autres personnes puissent pas rentrer dessus. Mais en gros, on peut créer son tableau heuristique. Ce qui est bizarre, c'est quoi, il n'y a pas de bouton. Ah ouais, je viens de voir, ouais, là je viens de cliquer sur le lien. Si je clique sur Main Machin. Ah, il faut que je me connecte d'abord. Et si je suis connecté. Bon, je pense que tu peux couper, non? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Bon, je vous laisse aussi les gens, parce que j'ai 2-3 trucs à voir. Ok. Oh, je suis quand même content d'avoir pu jouer un petit peu avec vous. Oh, ouais, c'est bien, ça nous a fait du bien aussi.